Bonjour. Bonjour. Bonjour Lone Mower. J'ai trouvé le problème de mon OSSC par rapport au parasite et contre toute attente, il ne s'agit pas du tout du câble vidéo. Et c'est un problème car il faudra que je le résolve de mon côté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas. Je trouve que c'est chiant l'OSSC quand même. Dès qu'il y a un pet de travers, l'OSSC, ça fait de la merde par barquette de vin, quoi. C'est chiant, en vrai. Bref, je n'ai pas bu, on dirait, hein, quand je parle comme ça, mais non, j'ai pas bu. Je suis totalement sobre. Nique l'OSSC, exactement. Il y a un truc qui va pas avec cette bouche. On est d'accord, non? Il y a un truc qui va pas avec cette bouche, c'est normal. Non, ça va. Salut Erax! Comment ça va? Il te faut autant de dons que Karim pour régler ce souci. Exactement. Si seulement j'avais autant de dons que Karim de base, je pourrais acheter un RetroTink 5X. Voire même en acheter deux pour préamplifier le signal en aigu et en grave, évidemment. Et après, le renvoyer directement. Ça c'est un montage à la Madeville, ça. Ah, quelle horreur! Quelle horreur! En plus, ça marche pas du tout sur mon chat. C'est parfait. Salut Madeville! Ah bah tiens, justement. On parlait de préamplifier le signal vidéo en passant par deux RetroTink 5X pour avoir la meilleure image possible et chaque pixel évidemment parfaitement stable. Ah, ce no signal dégueulasse, putain. Je déteste mon OSSC. J'ai réussi à régler mon problème de parasite, Madeville. Du coup, je sais pas si t'étais déjà là. Mais sache que ça vient du courant qui est parasité par... je pense pas que ce soit vraiment ma ligne de diode, mais je pense que c'est plutôt le fait d'allumer ma ligne de diode via une prise de courant qui est alimentée par une prise éteinte allumée qu'on peut allumer avec son téléphone portable. J'ai un GBSC chaîné au FranMeister. Ça fait standard. Mais du coup, t'as double latence alors. Non, le FranMeister, je crois qu'il induit pas de latence, mais le GBSC, il induit la latence du coup. Enfin, je sais pas. Il faut que je trouve une petite télé d'ailleurs à mettre dans mon setup. Ça me fait un peu chier cette histoire de prise de courant là. Et bah, je vais trouver une solution, hein, je pense. Mais bon, GBSC, c'est genre une frame, deux max en fonction de ma réseau d'entrée. Ouais, d'accord. Et ils en produisent encore des GBSC, parce qu'en général, les trucs intéressants, ils les produisent quasiment plus. C'est un peu ça, le monde du rétro gaming, finalement. C'est genre, ah, c'est vachement intéressant ce que tu fabriques, tu peux m'en fabriquer un? Ah bah non, j'en ai plus. Bah non, j'ai plus envie d'en faire, en fait. Ou alors, si, je vais en faire, mais genre 40 pour une centaine de personnes qui le veulent. C'est un peu insupportable, le rétro, pour ça. J'ai un onduleur online pour les consoles. Un onduleur online. Le GBSC, il est setup en no latence, là. Juste en line tripler. Alors, les lines. Alors, c'est simple. Moi, si je mets du line tripler sur ma carte d'acquisition vidéo, qui est une Elgato standard, hein, HD60, le truc le plus simple possible, et ben, elle refuse le signal. C'est-à-dire que sur mon OSSC, si je mets 3X, ça marche pas. Et sur mon RetroScaler 2X, si je mets 3X, ça c'est possible, ça marche pas. C'est le FranMeister qui ajoute 12 millisecondes. Ah, le FranMeister, c'est vraiment. Du coup, c'est vraiment. C'est pas du tout un doubleur de ligne, alors, le FranMeister. C'est juste un downscaler ou un upscaler. C'est chelou. J'étais sûr que c'était l'inverse, mais ok. Bah c'est cool. J'ai appris quelque chose ce soir. Et... le FranMeister, il prend tout, sauf la Jaguar. Ah, mais la Jaguar, c'est un peu compliqué. Mais je suis content que l'OSSC prenne la Jaguar, en tout cas. Et dans le pire des cas, tu la mets en composite et elle passe, quoi. Ou en S-Video, tu la mets la Jaguar. La Jaguar, en vrai, en S-Video, c'est cool. Ça permet de gommer pas mal de problèmes, je trouve. Mais je pense que de toute façon, comme je me faisais la réflexion tout à l'heure en cherchant mon câble S-Video Saturn que j'ai fini par trouver mais qui fait de la merde maintenant, je sais pas pourquoi. J'ai rien fait, j'ai pas touché. Mais en le rebranchant, là il fait de la vidéo pourrie. Je me suis dit, c'est vrai que console 8, les limites certaines 16 bits, pour moi ça serait plutôt composite. 32 bits S-Video et après pourquoi pas du RGB, mais je trouve vraiment que le RGB est toujours aussi overkill.
Et prime craquée pour les cartes à mode pour te faire un GBSC, ça reste abordable comparé à d'autres matos. Oui, non, mais je parle globalement. Hein. C'est avant la pénurie de pièces, c'était déjà le cas. Hein, pour moi. Enfin, le Fenrir, ils ont pas attendu la pénurie de pièces pour dire bon, bah, on n'en fait pas, hein, finalement. C'est un peu de la. Un... Enfin, moi, je trouve toujours que Cédric, il a toujours la mauvaise façon de faire. Hein. Attention. Là-dessus, je serais jamais d'accord avec quelqu'un qui met en vente des trucs en précommande sur son site en mode c'est le plus rapide qu'il a, quoi. Pour moi, faut faire une liste. Il y a tellement de modèles de réglage hard différents, c'est la loterie. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, mais moi je pense que c'est plus par génération et encore, tu vois, même la Saturne, j'hésite à me dire que c'est peut-être composite, tu vois. Pour moi, le moyen le plus confortable de jouer à la Saturne, sur des jeux en plus en haute résolution, clairement, le composite, je trouve qu'il apporte vraiment une patte et une image très particulière en haute résolution. Même si, bon, voilà, je sais que c'est le mal aimé, mais ça reste assez cool. Et puis le S-Video, bah, c'est un peu l'entre-deux qui est plus ou moins accepté, je trouve. Ce soir, en tout cas, on va jouer à Panzer Dragoon 2, et ça va être un stream à l'arrache, donc je suis même pas sûr, je pense que je vais pas mettre la VOD, parce que ça va être vraiment à l'arrache. Vu que je vais pas parler dans la presse, je vais pas lire la presse ni rien. Fenrir, c'est 3 puces de condo et 3 connecteurs. C'est vraiment nul de pas avoir, pas savoir à pro ça. Et c'est pas, y a pas que ça, c'est déjà mal vendu, t'as raison, Erax, de le dire. Mais c'est surtout que derrière, il y a des gens comme Furtech qui sont extrêmement talenteux, dans le sens où, au lieu de dire ouin ouin, il n'y a plus de composants, ils refont leurs cartes différemment. Salut Kazer, comment ça va? Bienvenue sur le stream. Qui refont leurs trucs différemment et qui utilisent bah, moins de composants. Et oui, ça parle Fenrir, car ce soir, en plus, on joue sur Fenrir. Pour le coup, Panzer Dragoon 2, on joue sur Fenrir. En 60 Hz, c'est la version américaine du jeu. Comme ça, on a les textes en anglais et en plus, on a bah, la version 60 Hz. Lilia, comment tu vas? Welcome to the stream. C'est Panzer Dragoon 2, le meilleur rail shooter, le 1 n'est pas bien. Bah non, mais le 2 est mieux. C'est exactement ce que je voulais dire du coup. Et c'est exactement ce que je dis. Salut Upsolo, comment tu vas? Oui, et à côté il y a Krix qui fuit l'Ukraine en guerre avec son matos et qui fait repartir la prod en 3 mois. Bah en fait il fait repartir la prod en 3 mois parce que Krix il a tout compris. Il fait du premium, donc il le vend cher, moi je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve pas ça gênant, en tout cas il mérite chaque centime qu'on lui verse. Déjà pour contrer le côté AliExpress qui est insupportable et qui lui vole son travail et qui lui vole son talent, parce que c'est quand même lui qui les a créés ces trucs-là. C'est les trois quarts des Everdrive qui sont pilonnés par la Chine. Et derrière, il produit lui-même ses boards en faisant lui-même en installant lui-même ses composants. Ça c'est plutôt cool. Qu'on me parle pas d'AliExpress. Bah ça. Grand mauvais t'en as fait. Moi j'ai toujours dit qu'il fallait pas y aller. Hein. Moi j'y vais plus, j'y vais que pour les têtes de lecture. Pour les blocs optiques, pardon. J'y vais que pour les blocs optiques sur AliExpress. T-shirt blanc aujourd'hui, incroyable. C'est une première, non? Le 1 il se joue pas à la manette 3D déjà, et sinon il est bien, franchement, une maniabilité compliquée forcément. Le 1 il rame beaucoup, trop. Il a des niveaux extrêmement durs, il a des pics de difficulté nawak, je trouve, le 1. Et bah, je le trouve moins beau que le 2. Le 2, c'est simple. Le 2, c'est celui qui exploite le plus la Saturne. Il a même un mode 16/9. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente sur une console comme la Saturne, un mode 16/9. Le ratio que vous voyez ici est corrigé. J'ai téléchargé un plugin qui convertit toute image en 16/9 en 4/3, donc c'est le vrai ratio 4/3. C'est pas moi qui ai tiré à la main comme avant. C'est-à-dire qu'avant, je prenais la fenêtre 16/9 de mon Elgato. Et je l'écrasais en 4/3 en me disant « Ouais, là c'est à peu près bon. » Là j'ai mis un vrai ratio 4/3, du coup c'est vraiment 4/3. Et du coup j'ai fait ça sur tous les trucs. Donc voilà, vous pouvez voir en bas que ça tourne. Problème de Panzer Dragoon 2, problème de l'OSSC, la résolution est dynamique. On peut pas mettre de résolution dynamique sur l'OSSC. On est obligé de régler à la main, avec le bon setting, la résolution selon quelle image va être affichée par l'OSSC, et c'est de la merde. Après le FXPack est open source sur GitHub, mais oui. Du coup, le FXPack, alors est-ce que c'est vraiment Krix qui le fait? Parce que moi j'ai une question là, je comprends pas trop. FXPack, il y a écrit, moi j'ai regardé, c'est bien Krix qui le fait. Mais du coup, j'ai l'impression que quelqu'un s'est approprié le bordel, je comprends pas trop. Genre SD2SNES, c'était pas Krix? Et le FD, c'était Krix? Non, SD2SNES? Je sais plus exactement. Il y avait un truc chelou que j'ai lu tout à l'heure sur internet, mais je pense que c'était de la merde en fait.
Après, FXPlex est open source. Hein. Après, le FXPlex. Oui, la partie logicielle est open source. Ouais. Bah bravo, depuis le temps qu'on regarde le 16 neuvième région à 4 tiers, c'est honteux. Exactement. Du coup, j'ai envie de faire un truc. Alors, ça va être un peu chelou, mais je vais essayer de faire un truc. On va pas jouer dans cette config ce soir, mais je vous la montre quand même, elle existe. On va jouer dans une config 16 neuvième parce que le jeu est compatible widescreen. Et je pense qu'on va utiliser ce truc-là. On va. Effet de capture vidéo. On va mettre Elgato 16 neuvième. Off. Ce qui nous fait du coup deux sources audio. Évidemment. Ce qui n'est pas très bien. Voilà. Donc actuellement, c'est pas correct le ratio. Je le sais, c'est pas la peine de m'en parler. Vous inquiétez pas. On fait start. On est... Là, vous voyez que le mode, c'est le mode haute résolution de la Saturn. Et du coup, bah, y a du, vu que c'est du 480i, il y a de l'entrelacement et donc il y a des sautes d'images et c'est chiant. J'ai même installé aussi un plugin rigolo qui permet de faire du blur sur l'image. Parce que je ne sais pas comment faire pour que l'OSSC arrête de passer d'une line à l'autre en entrelacé. Parce qu'il passe justement bah, du pair à l'impair. Parfois, il est un peu désynchro. Je ne sais pas si c'est ma carte de capture vidéo ou si c'est l'OSSC qui déconne. Là-dessus. Et là, hop, on est en widescreen. On peut pas régler la difficulté du jeu parce qu'il est déjà très bien réglé, je trouve. Instrument mode, alors il y a normal, off ou full. Et ça, je crois que c'est par rapport à la musique et au son. La balance de la musique et du son. C'est peut-être ça plutôt. Alors, sound, BGM, normal, SE. Et instrument mode, je sais plus ce que c'est. On va pas y toucher, je pense. Panzer Dragoon, c'est le Sky Willy! Et oui, Panzer Dragoon, le jeu de l'amour. Comme on dit, de l'amour à la plage, d'ailleurs. Donc là, je fais New Game, et ça va être pété, parce que l'OSSC, c'est une machine un peu nulle, faut le dire, hein, quand une machine est mauvaise, et bah, au niveau résolution, ça, c'est très mal géré. Je teste sur ma Saturn pour ce souci. Bah tu vois, regarde là, le Sega. Regarde le Sega Enterprises. Là, il est bon, mais des fois... Voilà, tu vois là, pouc, ça a sauté. Bah des fois ça saute. Des fois l'OSSC a du mal à trier les lignes. Alors je sais pas si c'est l'OSSC ou si c'est la carte de capture. C'est pas impossible, hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Salut tonton Greg. Et je suis bien. Est-ce que je suis bien en 60 Hz? En 59 Hz, 52. Parce qu'il n'est pas du 50. 60 Hz exactement. Ouais, ça bouge et ça devrait pas bouger. On va lancer le jeu et on va regarder l'intro ensemble. Et après l'intro, vous allez voir qu'il va falloir que je fasse pause et que je remette l'OSSC en basse résolution, car le jeu n'est pas en résolution comme celle-là. Mais en résolution plus basse, ce qui est normal, puisqu'en cette résolution-là, la 3D est vraiment très dure à afficher pour la Saturn. Vous voyez que là, il y a un décrochage de signal. Plusieurs millénaires ont passé, et les gens vivent dans la terreur d'une arme vivante. Les humains ont créé une arme qui leur coûte de l'énergie. Nana, Serrated Weapon from All Ages. Voilà, donc c'est toujours des histoires de trouver une arme utile. C'est pour simuler un CRT. Je suis pas sûr. Sur un CRT, ça saute, effectivement, mais ça saute tellement régulier et ton œil a tellement l'habitude qu'au bout d'un moment, tu vois l'image en haute résolution, quoi. C'est trop beau d'ailleurs. J'adore, c'est vraiment une des sensations que je préfère. Mince, je gêne. Je gêne, désolé. Alors je pense que les cinématiques sont étirées, hein. En 16/9, je pense qu'en mode wide, les cinématiques n'ont pas deux versions. Elles sont comme ça, du coup elles sont trop larges. Sur CRT, c'est tellement agréable de voir de la Saturn qui grésille. Oh là là. C'est probablement ce que je préfère. En arcade, il y avait déjà ça. Il me semble pas que l'arcade c'était du progressif. Il me semble pas, hein. Voire peut-être. Mais du coup, ça rendait bien. Alors que le 480p, je trouve que ça rend pas bien. Je trouve que le 480i, j'adore le côté grésillant, en fait. On peut voir un tramage sur toute l'image, et c'est assez amusant. Je me suis rendu compte, du coup, que Panzer Dragoon, Zwei, en tout cas, il affiche cette espèce d'effet, comme la Play, le dithering, en fait. Le scintillement de la PS1 HD. La PS1 ou de la Saturn, du coup. Puisque c'est du 480i qui fait ça. Et là, clairement, on a vraiment un effet de dithering sur ce jeu. Et c'est peut-être ça qui le rend plus beau que les trois quarts des jeux Saturn. Parce que du coup, ça ajoute encore plus aux nuances de couleurs.
La Saturn elle a qu'un seul mode vidéo de couleur. Ça rend vraiment bien du coup. Merci pour le host, MO5. Évidemment, je savais que ça ferait. Que ça allait toucher le cœur de notre ami David de jouer à Panzer Dragoon's Vow. On enchaînera peut-être sur Amok, un jeu très intéressant sur la Saturn. Dans la soirée, peut-être plus tard dans la soirée, genre à minuit, un truc comme ça. Et salut MO5, évidemment, n'hésitez pas. Je pense que comme quoi que je vais faire un truc. Je vais faire un truc quand je fais MO5 qui montre le site internet d'MO5 que vous devez absolument aller voir, au moins visiter parce que c'est une bible avec notamment le le mag MO5 avec plein de news sur le rétro. Et en plus il faudra que je fasse un truc sur la chaîne parce que ça fait SO genre ASO MO5 rétro. Non, MO5 ASO rétro. Pardon. MO5 ASO rétro, je pense que je vais me faire doubler parce que je suis très lent. Non, même pas. Et évidemment, rejoignez leur chaîne Twitch puisqu'ils sont là pour des trucs très très bien. Là, vous voyez que ce tramage était moins présent sur CRT et il est bien présent sur le SSC. ASO rétro ou rétro ASO? Les deux, bien sûr. Forcément. En même temps, on a été élevés au même jeu, hein, finalement, vu qu'on a tous les deux la Saturn, et que la Saturn est une console incroyable. Je suis tellement content d'avoir le Fenrir, en vrai. Repas de quand les lives MO5? Je sais pas du tout. Il faut demander à MO5. Moi, je suis dispo, en tout cas. Début septembre. J'étais pas au courant. Très bien. Erax, RST Games. Et là, on commence le jeu, et là, je vais partir un jour sans retour, effacer notre amour. Sans se retourner, ne pas regretter. Concert à demain, recommencer. Et là... Alors attendez, c'est justement là que je dois jouer. Attention, pause. Vous voyez que la pause, c'est très drôle d'ailleurs, parce que la 3D continue. Le jeu continue de tourner en pause. Mais les ennemis, évidemment, ne nous tirent plus dessus. Donc là, il faut que je passe le SSC dans un réglage en basse résolution. Puisque le jeu est en basse résolution actuellement. Il n'est plus en résolution ultra abusée de tout à l'heure. Pour avoir justement cette espèce de netteté, alors pour avoir la netteté encore plus forte, et je pense que ça doit niquer quelque chose dans le SSC de faire ça, mais je m'en zèf, voilà, je vais mettre en 190, pour avoir, en 191, pardon, pour avoir toutes les lignes nettes, elles sont floues. Ah, d'accord. Ça ne fait pas les mêmes réglages que tout à l'heure. Alors attendez, j'ai un petit problème, je vais peut-être faire plutôt ça, alors, settings. 320, alors du coup en NTSC, c'est peut-être en PAL l'autre. Et hop, je vais faire syncopt. Et si je fais syncopt 191 ici... Voilà. Là, on a l'image la plus nette que je peux avoir sur le stream. Je peux pas faire mieux que ça. On est sur quelque chose de magnifique. As-tu remarqué le mode 16/9 en natif? Oui, je l'ai mis du coup, le mode wide. C'est ce que j'ai mis, du coup, c'est pour ça que je suis en 16/9 ce soir. Et du coup, bah, on va jouer... Attends, je vais mettre juste au-dessus des barres. Ou alors je vais mettre en dessous des barres en tout petit. Je sais pas, en fait. Je me demande comment je me mets. Je me mets là, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je me suis bougé. Bien placé. Comme ça, on est prêt pour une bonne petite session de dégommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Arg, je risque de glisser. Je ne savais pas que Mad Dog Macri était sorti sur Wii. Il est à 30€ sur eBay. Il est très très cool, Mad Dog Macri sur Wii. Moi, je l'ai sur CDI, avec la carte MPEG. Du coup, bah, qualité max. Peut-être pas la semaine prochaine, mais normalement la semaine du 5. D'accord, ok. Cool. Bah, hésite pas hein, à m'en parler. Enfin, n'hésitez pas à m'en parler hein, si vous voulez toujours que je participe au Retro News. Ce que je préfère dans les streams d'Arunotaku, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Bah là, c'est net. Honnêtement. Et là, vous voyez le jeu Saturn le plus incroyable de l'histoire. Il est juste fou ce jeu. Je me demande si je vais pas même tricher encore un peu plus. Parce que bah, j'aime bien tricher quand même pour avoir de la beauté. Et la beauté, c'est important quand même. Juste histoire de dire, on est sur une cathodique un peu vieille, du coup, bon, la luminosité est peut-être réglée un peu forte, voilà, bon, histoire de voir un petit peu mieux ce qu'on fait, voilà. Je pense qu'elle, pour ça, c'est juste qu'en ce moment, c'est un peu le bazar niveau pro, je me doute. Écaté. Vous voyez un peu? Est-ce que c'est net chez vous? Putain, c'est encore plus net chez vous que sur moi, en fait. Ça tourne bien, du coup? Bah, ça tourne bien parce que c'est une vraie Saturne. Et c'est toujours l'avantage, hein, quand on n'est pas influenceur rétro,
et qu'on n'utilise pas du coup par flemme des émulateurs, bah ça tourne bien. Après faut voir le corps FPGA, j'ai hâte de voir le corps FPGA, tout ça. Attendez, je vais juste faire un petit truc, mais regardez pas trop. Toc, toc. Voilà, je me règle juste pour voir les choses comme vous, parce que là c'est un peu frustrant. Et on repasse en mode cinématique. Ouais, parfait ça. Ouah, la bouboule! Incroyable ce jeu. Toujours aussi fou. C'est marrant parce qu'il est plus arcade que le 1. Dans le sens... Enfin, il est plus aventure que le 1 dans le sens où il va vous... Il va garder les stats que vous faites et que les stats sont très importantes. Vous voyez aussi qu'il y a pas mal de... Un petit peu d'aventure dans le jeu. Où là, je viens de détruire une petite cabane dans laquelle il y avait un petit dinosaure pour le libérer. Et le jeu est plus arcade dans le sens où bah, vous avez beaucoup beaucoup de specs et de scores. Mais il y a une petite dimension RPG où vous gardez les stats de votre dragon. Il était vivant. T'es qui dans l'e-sport toi hein? Ah non par contre là ça va me frustrer. Alors j'ai toujours pas compris, j'ai l'impression que j'ai un bug depuis ma naissance sur ce jeu. C'est quand j'appuie sur R, ça déclenche systématiquement le berserk. Et ça va être vraiment problématique pour plus tard dans le jeu, en fait. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais tester l'ISO, si c'est en anglais, j'achète pas. Mad Dog Macri, il est en anglais, de toute façon. Il est que sur CDI, hein, en français. C'est un truc que Philips a payé, la version française de Mad Dog. C'est comme Night Trap sur le Mega CD. C'est un truc que t'auras jamais ailleurs, je pense. S'il y a le français sur Wii, c'est que vraiment, il y a eu un deal chelou avec Philips. Achète! Ouais, franchement, achète, hein. Ça vaut le coup, quand même. Sur CDI, les deux Mad Dog sont en FR. Je pense que si Mad Evil le dit, c'est que quelque part, c'est pas par hasard. Tu utilises moins ton FPGA pour la Saturn, du coup. Pour l'instant, je l'utilise pas, puisque le FPGA Saturn n'est toujours pas... c'est la mort. N'est toujours pas dispo avec une seule barrette de RAM. Il faut toujours une dual RAM pour faire tourner le corps Saturn correctement, et ça tourne pas encore bien. Comme Seven's Guest sur CDI, c'est pareil. C'est le même deal. C'est un deal Philips. Donc je pense réellement que c'est pas possible d'avoir Mad Dog en anglais, en français sur quelques machines que ce soit. Ailleurs que sur CDI. Après, un CDI c'est pas très cher, hein, c'est 230-250€. Un CDI avec Mad Dog. Par contre, t'auras pas le gun. Pour avoir le gun, c'est un peu plus cher. Je crois que le gun CDI il est très cher. Mais il est génial. Au niveau précision, tu peux même y jouer sur un écran plat puisqu'il utilise un sensor. Il utilise pas la fréquence de la télé. Tu tires sur un sensor et ça reproduit sur la télé directement. Et je pense réellement qu'ils étaient très en avance, Philips, avec ça, parce qu'ils faisaient des rétroprojecteurs déjà à l'époque du CDI. Et qu'ils se disaient, si les gens ont des rétroprojecteurs, ils pourront pas jouer avec le gun. Image 16/9 sur Saturn, on est chez Fabrice ici. Et non, on est sur un jeu qui est compatible 16/9 Ozaki. Qui modifie la focale du jeu pour pouvoir être rendu en 16/9 Ozaki. Tu réussis pas avec une barrette de RAM? Bah je sais pas, j'ai pas essayé en fait moi. Mais j'ai l'impression que le jeu n'est pas sorti, enfin le corps ne marche pas avec une seule barrette de RAM. Moi je partais de ce principe là en tout cas, mais peut-être que j'ai tort. Et vous voyez le magnifique mode 7 de la Saturn que vous voyez au sol, le fameux VDP2, ils appellent ça chez Sega. Sinon coucou Ozaki, d'ailleurs Ozaki écoute bien, c'est très drôle. Attention. T'es vraiment un fils de pute. Mais vraiment, je te déteste. Mais putain, mais regarde, il te dit des calculs dans tous les sens. Il te dit, il fait ça, il machin bidule. Moi, je réfléchis et tout ça. Mais juste... Putain. Quelle injustice s'est abattue sur Ozaki. C'est terrible. Ces insultes sur Layton font mal à mon petit cœur. Ça fait partie des nouveaux sons de la soundboard, hein, bien sûr. Mais je suis assez fier de moi, car effectivement, j'avais fait un petit clip à l'époque qui m'avait beaucoup plu. C'est moi, c'est 100% moi. Ah bah c'est 100% toi, y a aucun doute. Alors là, tu peux pas le nier quoi, je veux dire, ça serait malhonnête de le nier quoi. Ah, là vous avez vu par exemple, ils ont bombardé les petites maisons qui renfermaient des dinosaures. Vous voyez là, y a un mec sur son dinosaure qui va m'aider. Et dans le niveau... Il me faut tirer sur les petites cabanes pour libérer les dinosaures pour qu'ils m'aident. Là, j'ai le choix entre deux directions aussi. Je peux aller là, par exemple. Mais je vais plutôt aller là-bas. J'aurais peut-être dû aller là-bas, c'était mieux, en fait. Et là, vous voyez, si je tire sur la petite maison, ça la détruit.
Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit dinosaure qui m'aide. Si je la détruis pas, il reste dedans. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qui se passe? NT? Le Night Trap est en français. Le Night Trap est en français, mais alors attends, dans l'édition refaite? Également sur Switch? Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est Sega qui avait payé pour le Night Trap français. Ça veut dire que Sega a donné son accord sur une version française? C'est ouf, ça. Même 69e sur la Switch. Je veux bien que tu me MP le corps, bien sûr. MP moi le corps, Fresh One, ça serait cool. Je vais demander des royalties, ça tombe bien, j'ai besoin de Sioux pour mes... avec mes colis, j'ai mal. Ah oui, mais ça on te l'avait dit, hein. Ah moi ça me... Quand tu me disais oui, je connais des gens chez FedEx, mais c'est pas suffisant. Je pense que ça va te coûter vraiment riche. Pour connaître un peu les loustiques de chez Bailly, ça va pas t'être donné, hein. Après, c'est quand même cool, hein. Ça reste des packs très très intéressants que t'as acheté, hein, je pense. La 3DS Capture, c'est vraiment cool. La 3DS Capture chez Quackwack, c'est vraiment stylé. Évidemment, Ozaki joue à la 3DS en émulation, mais vous pouvez jouer, bien sûr, avec une 3DS Capture. Mais ça revient un peu cher. Et là, vous avez l'envolée. Écoutez ce silence. Je suis pas tombé, vous avez vu. Il apprend à voler. Là, on est au-dessus de l'infini. L'infini qu'aucune autre machine que la Saturn ne peut créer. Car vous voyez ce plane infini là, au sol, c'est le deuxième processeur de vidéo de la Saturn qu'il crée, VDP2. C'est une sorte de mode 7 infini qui peut créer des planes comme ça, des planars. Et sur PlayStation, pas mal de jeux, sur Xbox même, sur Xbox ils ont sorti une version de Panzer Dragoon 1 offerte avec Panzer Dragoon Horta quand vous le finissez. Je crois qu'il faut le finir avec certaines conditions à la con d'ailleurs pour avoir le Panzer Dragoon 1 débloqué sur Xbox. Et bah même la Xbox elle galère à faire un plan infini puisqu'elle n'a pas les mêmes rendus en fait que la Saturn. Et c'est drôle de se dire qu'une console comme la Xbox qui est un milliard de fois plus puissante, et bah elle a quand même du mal à faire des graphismes de Panzer Dragoon 1 quoi. Moi je trouve ça drôle. Peut-on dire que c'est un peu l'ancêtre de Rez? Exactement, c'est le même créateur d'ailleurs, Tetsuya Mizuguchi, qui avait créé Panzer Dragoon et Rez, c'est les mêmes créateurs. En gros. Il y a du Tetsuya Mizuguchi dans Rez, et il y a du Tetsuya Mizuguchi dans Panzer Dragoon. Pas du tout. On est d'accord que c'est faux ce que je viens de dire. Tetsuya Mizuguchi, il a fait Space Channel 5, il a fait un autre rail shooter par contre. Hein. Il me semblait. Attendez, c'est l'Andromeda Team, il n'y a pas Tetsuya Mizuguchi dans la team. Il a fait Shenmue aussi, il était au générique de Shenmue, Tetsuya Mizuguchi. En Special Thanks ou un truc comme ça. Je sais qu'il est dans des endroits où on l'attend pas, Tetsuya Mizuguchi. On peut aller voir sur Moby Games tout à l'heure si vous voulez. Mais je suis même pas sûr qu'il y ait un générique dans Panzer Dragoon. Je crois qu'il y a juste Andromeda Team, non? Dans les mécaniques, c'est carrément Rez, hein, Panzer Dragoon en tout cas. Salut Dams, comment ça va? Il y a une 3DS Capture aussi maintenant? Ah, t'as acheté une 3DS Capture, Ozaki? Ça, j'avais pas compris ça, moi. Effectivement, ça va te revenir cher, hein, cette histoire. Allez, on va mettre un petit coup de berserk dans tout ça. Et hop, merci beaucoup, Dams, pour le tweet que je m'empresse de retweeter en même temps de jouer. C'est assez complexe. En train de faire des tricks assez chelous. Ces musiques, toute cette ambiance. Ah, il veut l'acheter, mais il l'a pas acheté. D'accord. Un peu déçu. Un peu déçu de Ozaki, mais c'est pas la première fois. Donc ça va. Un peu déçu de toutes ces réflexions sur Banjo-Kazooie, bien sûr. Et un peu déçu de Kalios, hein, qui dans son dernier stream a parlé de Banjo-Kazooie un petit peu mal, quand même. Je trouve que c'est un peu inacceptable de dire du mal de Banjo-Kazooie dans la vie. Vous voyez que je fais gauche-droite pour éviter les tirs. Oui, là, il tire à boulet rouge sur moi. Là, j'ai détruit le truc. Hein. Et voilà. Incroyable. Ouf. Non, c'est dans mes projets de prendre une 3DS Capture, car je t'avoue que de faire un guide sur Super Mario Bros. DS sur un émulateur, c'est pas ouf. Ouais. Banjo, la semaine prochaine peut-être, promis. J'en fais une vidéo après l'avoir fini pour parler de lui en détail. Bah c'est bien de le faire sur 3.6 en tout cas.
c'est déjà cool. Déjà très content que tu le fasses sur 3.6. Parce que bah, c'est la meilleure version. Bien que la version Xbox One est encore mieux, forcément. Je peux pas te forcer à le faire sur 3.6, bien sûr. Je peux pas te forcer à le faire sur One, plutôt. Mais sur One, il est encore plus beau, puisqu'il est en 4K 1080p. Là, vous voyez un chargement de boss dans la fumée des vaisseaux. Les vaisseaux me marchent dessus. On voit que ça rame parce que c'est en train de charger la suite. Et là, ça charge le monde d'après. Vous savez, le fameux monde d'après. Et on voit que bah, le boss est en train de se charger et arrive devant moi, du coup. Vous vous souvenez de Star Fox ? Bah là, c'est mieux. Il y a un petit peu de Star Fox aussi, hein. Faut pas oublier que dans le rail shooter, avant Panzer Dragoon, il y avait Star Fox. Mais je trouve réellement que c'est l'aboutissement, quoi, Panzer Dragoon. Si on me demande mon avis, je trouve que Star Fox est quand même un sacré brouillon. Le premier, hein, sur Super NES. Après, l'Highlight Wars a quand même rattrapé pas mal de petites choses. Je trouve que l'Highlight Wars est très cool, par exemple. J'ai rien contre, contre l'Highlight Wars, personnellement. J'aime beaucoup. Je vous ai vengé les BK Sexuel, on a eu un gros raid de Kalios chez Cabri. Cabri a mentionné les méchantes paroles de, sur Banjo-Kazooie. J'ai prévenu que tout commentaire négatif sur BK résulterait en un ban def. Il n'y en a pas eu un seul. Je joue sur Xbox One. Ah, tu joues sur Xbox One ? D'accord, donc tu dis la version 360, mais ok. Version 360 en rétro. Quoi. Mais tu verras, là, j'aurais pas d'excuses. Pour moi, c'est la manière d'y jouer. Banjo-Kazooie sur 3.6, c'est la manière de jouer à Banjo, quand même. J'ai plus d'excuses. Si tu trouves le jeu nul, effectivement, le jeu sera nul. Pour toi. Là, tu auras raison de dire qu'il est mauvais si tu le trouves mauvais dans ces conditions-là. Mais après, voilà, après, je peux pas te forcer à avoir bon goût. Hein. Bon, c'est le premier boss. Malgré que je sois mid-life, je pense que je vais m'en sortir. Pas nul sur côté de ouf. Ça, on s'en fout à la limite. La cote d'un jeu ou le fait que le bouche à oreille a fait que tout le monde dit que c'est un jeu génial, c'est nul. Effectivement, mais ça arrive souvent quand même. Même Ocarina of Time a été victime de ça. Hein. Malgré tout. Moi je trouve qu'Ocarina of Time est surcoté de ouf. Hein, mais... Majora encore plus, mais Majora, à la limite, il y a des gens qui sont d'accord pour dire qu'il est nul, donc ça va. Star Fox sur Super NES, c'est un brouillon, pourquoi pas. Dire que la puissance de la machine ne permet pas de faire beaucoup mieux. Si, bien sûr que c'est. En fait, la Super Nintendo, tu peux lui mettre un PC dans la cartouche. Il y a bien des gens qui ont mis un Raspberry Pi dans des cartouches Super NES pour faire des trucs de ouf. Dans des cartouches NES, je crois même. Pour faire des trucs de ouf. Mais après, encore une fois, si tu rajoutes deux fois la console, effectivement, bah t'as la puissance d'une Mega Drive et tu peux faire des jeux potables sur Super NES. Mais encore une fois, c'est pas de la triche, mais c'est... je trouve que même avec un Super FX, c'est pas fou. Hein. Enfin, je suis nul. J'étais pas très concentré. Je me concentre un peu mieux. Star Fox, c'est une team qui le mode depuis un bon paquet de temps. Tac tac tac. Ils sont arrivés à un point où le jeu est vraiment devenu bien cool avec viseur, mode de joueur simultané. Je recommence au début du niveau. Putain, j'avais oublié ça. Mode de joueur simultané, une vue différente, Autofire, ah, d'accord, ok. Star Fox sur Super NES, c'est un brouillon, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Je viens d'y penser, mais le Star Fox Command sur DS est aussi dans le même style que l'Ilat. L'Ilat est cool. Hein. Pas ôté qui a amené le Z-targeting dans les jeux vidéo. Il y avait du ciblage d'ennemis avant OOT. Siphon Filter notamment. Ou alors Siphon Filter est peut-être sorti après. Je sais plus, en tout cas il y a un jeu qui fait ça déjà. La touche, on peut mettre ce qu'on veut, d'accord, mais à quel prix ? Oui, non, mais ça change rien sur le fait que, même en niveau game design, je trouve que Star Fox est un brouillon. Il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas dans Star Fox. J'ai joué à l'époque, je l'ai adoré, c'est un des premiers jeux que j'ai fait à 100% et j'ai attendu comme un fou sa suite pour pouvoir débloquer les jolis bonus que l'on nous faisait miroiter à la fin de Banjo. Ah oui, Banjo, il est incroyable. Banjo est incroyable. Ah, il y a Taikeban, c'est marrant ça. Il a réussi à avoir un Fenrir apparemment, Seb. Il y a des gens qui ont réussi à avoir des Fenrir apparemment. Notamment Quack qui est ici présent d'ailleurs. Déception où j'étais quand j'ai compris que j'allais me les mettre sur l'oreille, exactement. Exactement, les fameux stop and swap. Alors attention parce que c'était possible, hein, la N64 était capable de telles prouesses. On pouvait effectivement retirer la cartouche à chaud.
une Nintendo 64 pour avoir... Bah là, on va prendre tiens l'autre route. On va en profiter d'être mort pour prendre l'autre route cette fois. Vous voyez, là, tout à l'heure, je suis allé à droite. Là, je vais aller à gauche pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe à gauche. On peut voir qu'il y en a... Il y a une autre petite maison à libérer avec un autre dinosaure dedans. Et encore une fois, on se fait aider par ces gens-là et ils tirent sur les ennemis pour nous aider, quoi. Le stop and swap, c'était vraiment, encore une fois, un truc, une prouesse technique qui aurait été vraiment très rigolote, et je pense que ça aurait flingué pas mal de consoles, parce que je pense que si tu le faisais au mauvais moment, tu pouvais vraiment avoir des petits pépins avec ta console. Mais l'idée était pas mal. Star Fox 2 aurait été fun. Star Fox 2, comme Lilith Wars, je trouve qu'ils apportent un peu plus que Star Fox. Star Fox, vraiment, c'était 12 FPS, techniquement, c'était pas assez... Je trouve que c'était pas assez fluide pour bien marcher. Et juste afficher de la 3D comme seul et unique finalement truc, moi ça m'a pas suffi perso. Vous avez vu un peu ce calme de cette séquence incroyable. Cette séquence elle est incroyable. Après c'est une préco, tout le monde peut commander le Fenrir, non? C'est envoyé entre octobre et décembre, je vais devoir être patient. Non, tout le monde pouvait pas le précommander parce que t'avais pas réussi la dernière fois. C'est ce que je reproche à Cédric d'ailleurs. De faire des précos à la con, comme ça. Au final, c'est très brouillon. Au final, c'est très brouillon. C'est con que Rare n'ait pas trouvé une autre solution, genre utiliser une carte mémoire pour avoir les bonus. Ouais, mais en plus, c'était possible. C'est juste que le premier Banjo-Kazooie est sorti avec une pile et c'était trop tard, quoi. Mais si le premier Banjo était compatible carte mémoire, comme certains jeux qui ont une pile mais qui sont aussi compatibles carte mémoire, ça aurait été cool. Parce que du coup tu peux pas extérioriser ta save et l'envoyer à un pote, t'es obligé de filer toute ta cartouche si tu veux filer ta save. Je crois que Quest 64 fait partie de ces jeux qui marchent avec le contrôle pack, le contrôleur pack et la cartouche. Avec la cartouche a aussi une pile. Si je ne me trompe pas. MRC aussi. Je sais pas, peut-être que je confonds les jeux, c'est cool. Là vous avez vu qu'on n'a pas la même suite de niveau, parce qu'on est allé à droite au début au lieu d'aller à gauche. À gauche au début par contre, au lieu d'aller à droite. Du coup, on se tape un truc dans les nuages. Et là, on va redescendre sous la mer de nuages pour redescendre bah, dans le niveau, en fait. Et je suis full bar berserk. C'est cool. Il vient juste de faire des préco. Fait un sondage avant, il ouvrait les ventes et ça faisait 100 préco. C'est pour ça que les gens ont gueulé. Ah, c'est une préco cette fois, alors. D'accord, donc dans le sens préco réel. Pas dans le sens préco comme moi, quoi. Donc du coup, c'est vraiment tard que tu vas le recevoir. Je pensais pas. J'avais pas compris. J'avais mal compris, je suis désolé. C'est que Rare allait faire un truc à la Sonic et Knuckles, ça aurait été rigolo. Ça aurait été marrant, Banjo Tooie et un port cartouche au-dessus, ouais. Ça aurait été marrant, effectivement. Et là, je crois qu'on va se mettre à descendre dans la rivière de nuages à un moment pour aller enfin à la suite du niveau. En fait, ça, c'est toute la séquence, je sais pas si vous vous souvenez de la muraille avec les tourelles tout à l'heure. Bah, c'est remplacé par ça, quand on va dans l'autre direction. Ah, par contre, je me fais violer là, encore raté. Allez, je les ai tués. Donc là, c'est eux qui vont servir de loading. Ah non. Ça serait marrant un truc à la Sonic et Knuckles. Je suis même pas sûr que la 64 soit capable de ça. Enfin, ils ont réussi à faire des actions replay, donc ça doit être possible, mais. Mais je suis pas sûr que Nintendo autorise ça, quoi. Faut oublier que les consoles Nintendo c'était verrouillées dans tous les sens. Contrairement aux consoles Sega, où il essaie un peu tout faire, Sega. Je me souviens de des cartouches cheloues de Codemaster, notamment sur Mega Drive, hein, où il rajoutait des ports manettes. C'était fou, ça. Les ports manettes ajoutés dans Pete Sampras Tennis ou dans Micro Machine, c'était incroyable. Pour échapper aussi au licensing, d'ailleurs. Caprice d'enfant à la maison, on doit repartir plutôt que prévu. Ah mince! Bah écoute, bonne soirée, gamer tutu, et bon courage! À la prochaine. Ta-dam, ta-dam. Donc là normalement on va se mettre à descendre encore une fois dans la mer de nuages en VDP doux. Des beignes. Et non, c'est une commande récompense je crois. Ou alors c'est juste beigne peut-être. Pour ma part, Star Fox me suffisait à l'époque, simplicité basique, prise en main immédiate pour un début dans le monde 3D, c'était suffisant. Mais moi, je connaissais déjà vachement la 3D en arcade et sur Mega Drive avec pas mal de trucs, quoi. Enfin, il y avait déjà du race driving sur Mega Drive, il y avait déjà du. Enfin, des jeux sans intérêt, mais ça restait des FPS sur PC, j'avais Doom, j'avais plein de trucs, quoi.
Enfin, je trouvais pas que l'effort mis dans la 3D qu'affichait la Super NES, et encore la 3D qu'affichait la Super NES, même à l'époque, moi, elle me choquait pas, quoi. Télécharge le corps quand tu peux, le lien sera pas valide longtemps. Ok, d'accord, je vais faire maintenant. Merci encore, hein, d'ailleurs. Et l'avancée du corps. Bah, j'ai vu l'avancée du corps. Mais j'ai l'impression que les réglages que j'ai fait dans mon truc là, dans mon Mister, tu sais, le truc pixel perfect là, j'ai l'impression que ça fait un peu du caca quand j'essaye d'installer un truc. Alors je sais pas si ça vient de là. Mais à chaque fois que j'essaie d'installer un truc sur mon Mister FPGA, ça me foire mon. Tu sais, ça fait écran noir au démarrage du Mister et il faut que je remette via la carte SD directement le corps d'origine, les corps d'origine et le corps notamment le fichier Mister FPGA d'origine. Mais je sais pas si ça vient de là. Je sais pas d'où ça vient. Les cartouches bizarres, yes, en licence. Oui, les cartouches, yes, avec le côté. Enfin, on va être obligé de faire ça, je suis désolé. Désolé, mais c'est nerveux. Vous avez ma fenêtre d'aperçu. Les cartouches, genre Desert Strike, qui avait notamment le petit truc jaune, toutes les cartouches Electronic Arts en fait, qui avait le fameux MDK. Il y avait le fameux. Bah voilà, ça c'est des faux Desert Strike. Hein. Merci AliExpress d'être premier des résultats pour vendre de la contrefaçon. C'est super cool pour les gens qui essayent de se documenter. Et Desert Strike, voilà, avec la fameuse encoche jaune que tout le monde connaît. Supprime les fichiers dans config. Ça marchera ça? Ça va pas tout péter? Bah écoute, je le ferai je pense ce soir, je vais regarder. Voilà, il fallait cibler le bon public. Nintendo ciblait le public fidèle à la marque qui n'avait pas forcément goûté à la 3D avant Star Wii. Oui! Et je dis pas que c'est une daube, hein, attention. Je dis juste que je trouve pas que Star Fox. Parce que dans la série, c'est des Star Fox. Je trouve que Lilat Wars est bien meilleur que Star Fox, quoi. Que Star Wing. Star Wing, pour moi, c'était vraiment le brouillon de Lilat Wars. Et le brouillon, bah, pour moi, Star Fox Adventure, c'est incroyable. Mais pas les phases en shoot, hein, juste le jeu. Les phases en shoot, elles sont pas folles. Mais par contre, le jeu est bien, quoi. Star Fox Adventure, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup plu, quoi. Je remets à la main. Alors comment ils vont m'afficher le boss là? Ils me l'affichent en direct. Okay. Donc on reprend le petit dragon qui s'est pas volé. C'est rigolo quand même. Ouais, enfin Nintendo, t'avais des gars qui faisaient aussi leurs propres cartouches, voire pire périphérique pour les lire des disquettes. Non, je parle pas de ça. Ils le vendaient pas dans le commerce, ça. Ils le vendaient par Minitel ou il fallait le commander sur. Il fallait le commander par téléphone à des boîtes peu scrupuleuses, c'était des copieurs. Moi je parle pas des trucs illégaux. Moi je dis Sega, il laissait faire ce qu'on voulait sur Mega Drive, alors que Nintendo non. Et les cartouches non officielles, des cartouches qui sont pas des cartouches Super Nintendo chez nous, il n'y en a pas eu. Dans les magasins, en tout cas. Pour ma part, Star Fox, oui, d'accord. J'ai déjà lu. Je lis le corps PSX et Saturn à jour dans l'archive avec les BIOS. T'as refait une archive du coup? Encore? Ou. Ah non, c'est ce que tu as fait déjà. On est d'accord. Ok, d'accord. Mister Saturn PSX. Bah, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Fresh One, du coup. Quelle qualité de stream ici, bon, évidemment, par rapport à Panzer Dragoon. Oui, bah, évidemment, BJ. Quand on stream du Panzer Dragoon, on peut pas se tromper, en fait. Bon, lui, par contre, il va prendre cher, hein, je vous le dis. Là, le boss, il va prendre. Il est devant moi, pardon. Waouh! Regardez, 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 regardez sa barre de vie. Comme il prend cher alors le bâtard. Le bâtard! Oh, le bâtard! Le bâtard comme il a pris cher. Attendez, je remets juste. Hop, hop, voilà, de quoi voir ce que je fais. Parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Fichier Q ou Bin pour la Saturne. Bah très bien, c'est tout ce que j'ai. Et j'en ai déjà plein en plus des jeux Saturne. Ce soir on testera sans doute Amok après Panzer Dragoon's Vile. Je vous l'ai déjà dit mais je vous le redis. Parce que Amok, il est assez incroyable dans sa manière d'être fait aussi. Et c'est un jeu qui n'est sorti que sur Saturn, à ma connaissance. Et en fait, il est rendu en voxel pour la partie terrain. C'est-à-dire qu'il a un terrain en rendu logiciel. Il n'utilise pas la Saturn d'une manière très normale. Ouais.
vraiment dans un sale état le truc là. C'est là qu'il balance les missiles d'ailleurs. En général. Ah, je sais pas où il est le missile. Comme à chaque fois, je me fais bien ken. Ah, c'est bon, c'est pas mal. Et ben voilà! C'est le win à 2 cm de la mort! Mais ça va! Oh non, j'ai failli mourir! Vous imaginez? Pendant la cinématique de fin, j'aurais pu mourir. Ça aurait été drôle. Oh, ça aurait pas été très drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais acheté une copie de jeu Super Nintendo en Thaïlande quand j'étais petit. Ouais, effectivement. Ça fonctionne bien le corps FPG à Saturne. Oui, il est encore en bêta, mais il tourne bien. Ok. Bonsoir tout le monde, salut Rincevent de Discworld, du coup. Comment vas-tu? Discworld 2, d'ailleurs, sur Saturne, que j'ai vu passer. Discworld 2 est sorti sur Saturne. Le saviez-vous? C'est incroyable. Bah écoutez, un jour on va le télécharger, on va se le faire avec le 1, et on se fera une review classique. Je crois qu'on a déjà fait Discworld sur Saturne il y a longtemps. On se fera peut-être le 2 direct, du coup. Je crois que le 2 doit bien ramer, d'ailleurs, sur Saturne. Merci pour le GG, Association MO5. J'ai pas de commande GG, faut que j'en fasse une. Regardez ces cinématiques, comme elles sont magnifiques. C'est juste incroyable. Je vais me déplacer. Ah d'ailleurs, ma webcam n'est pas au bon endroit. Je vais me mettre là. Là, c'est bien. J'avais acheté un jeu. Alors, j'avais acheté une copie d'un jeu Super Nintendo en Thaïlande quand j'étais petit, Mortal Kombat 2. Alors, je ne savais pas si quand le jeu allait sortir en Europe. Nintendo allait s'ils allaient laisser le sang, d'accord. Résultat, les persos pouvaient faire des fatalities n'importe quand. Certains persos marchaient en l'air, etc. C'est marrant. Ça. Je savais pas qu'ils avaient fait des bootlegs à ce point-là. D'ailleurs, ça me fait rire. Toute cette farce de Panzer Dragoon et RPG qui serait frisée car ils ont perdu le code source. C'est un tel manque de respect pour les gens qui sont pas dans l'industrie que genre le code source a un rapport avec la capacité de faire un remake. T'as bien raison ça BJ, j'en ai déjà parlé d'ailleurs sur le stream. Et il y a un logiciel fait par un gars, enfin je rentre en contact avec lui d'ailleurs. Ça fait longtemps que je lui ai pas parlé. Il a fait un logiciel qui s'appelle Hazel qui fait tourner Saturn, un émulateur Saturn, plutôt connu d'ailleurs. Attends, est-ce que c'est Saturn qui fait tourner? Ouais, c'est Saturn. Hein. Ah non, c'est Yabose. Il fait tourner Yabose, qui est open source, donc qui est bien pratique. Yet another Saturn émulator, Yabose. En faisant tourner Yabose, à côté de ça, il a son propre moteur 3D qui affiche les modèles 3D du jeu selon ce que l'émulateur dit. C'est-à-dire que l'émulateur, il dit « Bon, bah là, il y a un dragon géant qui arrive, il y a ce décor-là ici, ce décor-là-là. » Et du coup, son moteur 3D va lire ce que dit Yabose. Et selon ce que dit Yabose, il va reconstruire les scènes et les modèles 3D de Panzer Dragoon Saga. Et ça marche. C'est-à-dire qu'il a récupéré les modèles Saturn, et il les affiche directement dans sa petite fenêtre. Et il peut remplacer tous les modèles par des modèles next-gen. Donc en gros, on peut déjà faire un remake de Panzer Dragoon Saga à moindre frais. En faisant ça. Et ça lui a coûté peut-être 2 mois de travail, tu vois. Donc faut qu'on arrête de dire le code source est indispensable pour faire un jeu. Comme les gars de House of the Dead qui avaient déjà fait le remake de Panzer Dragoon le premier, qui disaient « Ah mais on n'a plus le code source de House of the Dead, on peut plus mettre la version d'origine. » Alors que ça n'a aucun rapport, en fait. Mettre la version d'origine, ça coûte que dalle, c'est du C. C'est du C avec les data, il y a même pas besoin du code source, il y a juste besoin de faire comme la communauté qui refait Ocarina of Time depuis le début ou qui refait Mario 64. C'est très facile à faire en fait. C'est juste qu'une communauté d'amateurs, bah forcément, elle va moins bien le faire que des professionnels du portage. Quoi. Porter un jeu à l'aveugle, ça se fait quoi. Surtout quand t'es payé. Ah là là, je me suis fait buter. Comme une merde. DW2. C'est quoi DW2? Je m'avais demandé si tu pouvais me l'emprunter quand j'ai posté ma collègue Saturne sur le Discord. Ah, Discord 2! Oui, j'avais oublié que je t'avais demandé ça, tiens. Par exemple, FF7 Remake, bah on en a rien à carrer, FF7 PSX, pour faire le remake, genre en 2022, on va prendre un code en assembleur C. Enfin, un remake d'un jeu, il y a pratiquement personne qui sait coder en assembleur aujourd'hui. Ah bah, en assembleur PlayStation, encore plus, je pense. Le code source perdu, c'est juste une excuse pour justifier un remake pourri. Exactement! Notamment le remake d'FF9 et FF8 qui sont des remakes Android moisis. Pourtant j'adore Panzer Dragoon et House of the Dead. Les gars de Forever Entertainment bossent sur le remake de Panzer Dragoon's Vile. Oui, ils y bossent depuis le premier. Depuis le premier, ils ont dit on va faire le 1 et le 2. Ça faisait partie du contrat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le 2, puisque le 2 reste mon préféré de très loin. Regardez-moi ces graphismes quoi. On est dans une forêt géante. Enfin une forêt, un tube de forêt hein, bien sûr. Parce qu'on est sur...
mais sur quelque chose d'assez d'assez saturnesque quand même. Ça reste de la 3D 32 bits quoi. Bah, on va pas exagérer. On va dire. Mais moi j'aime beaucoup cette 3D. C'est vraiment ma 3D préférée, cette 3D low poly. Low quadi. Mais ce niveau-là était dans cette démo en effet. C'est moi qui étais dans le CD démo. C'est très très cool du coup, parce qu'à l'époque, ils faisaient attention à ça. C'est qu'ils te mettaient dans les CD démo des niveaux qui étaient plus loin dans le jeu que le premier niveau. Du coup, t'avais pas l'impression de refaire la démo quand t'achetais le jeu. Même si à un moment, bon, bah, t'as pas le choix. Mais c'est plutôt cool. Après, l'idéal de chez l'idéal, et ça arrive très rarement, c'est les démos qui sont uniques. Ça, quand t'as des démos uniques, c'est vraiment trop bien. Mais t'en avais très très peu, c'était vraiment compliqué quoi. Ah, le boss est là. Le boss fait du désherbage. Je l'ai refait 2000 fois ce niveau à cause de la démo, d'accord. Bonsoir Blood Moon Day, comment ça va? Bienvenue à toi. Puis le code source, ça finit par se retrouver. Les mecs emmenaient des backups parfois chez eux. Il y a de quoi. Il y a qu'à voir Resident Evil 1.5. Il y a plusieurs bêtas qui tournent, c'était les backups des devs. Ouais, bah à l'époque, surtout quand il n'y avait pas de gros backups. Ça marchait bien. Par contre, je sais pas ce que je suis censé voir. Là, ça rame. Hein. Là, ça rame, là. Oui. Quelqu'un a parlé de pognon. Putain, je l'ai niqué. C'est pas le vrai boss, hein, lui. C'est pour ça que je m'en suis bien tiré. Le vrai boss, il va arriver. Il a eu un petit empêchement, mais c'est la ligne 2. Hein. C'est toujours un peu le bordel. Mais là, il va pas tarder. Hein. Bah le voilà. Hein, c'est pas lui. C'est encore lui. Ah, mais... Mais qu'il s'en aille, cet homme. On ne veut pas de lui. Ah non. Oh non, je vais mourir. C'est normal que j'ai si peu de vie. Parce que c'est chaud, hein, quand même. Vous me donnez peu de vie, là, les gens. Ça m'énerve de voir cette 3D disorée là. Vous savez, la 3D grillage là. Ça m'énerve de la voir. Parce que je sais qu'en composite ça rend bien. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu chez Quackwack d'ailleurs, quand il jouait à Super Tempo, il avait un cap composite. Et ça rendait vachement bien hein, les transparences. Même si ça clignotait, ça rendait mieux quoi. On voyait les trucs transparents. Quoi. Bon, est-ce que j'en suis au boss là? Ah, c'est je vole. Je sais voler. Incroyable. Donc là c'est le boss qui arrive, regardez dans quel état je suis. J'ai zéro de vie. C'est la tristitude. Vous voyez le gros point rose? Bah c'est lui. Voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Voilà. Tous les devs devraient garder des datas en scred, c'est ce que je recommande à tous mes collègues. Dans 20 ans, je vais sortir tout le code source des jeux sur lesquels j'ai bossé. Parce que même les CEO seront à la retraite d'ici là, j'irai sur MO5 et livrer tous les secrets. Trop bien. Ton insert est sur la minimap, donc on voit pas. Ah mince, pardon. Effectivement. Je sais pas où me mettre. Je sais même pas si je vais me mettre. Je vais me mettre là. On verra bien. Est-ce qu'on peut avoir... Putain, faut toujours que je me mette à un endroit où 3 secondes après c'est gênant. C'est chiant. Je sais vraiment pas où mettre ma cam. Quand ça rame, ça nue. Ça nue, ça rame. Ça nue, ça rame. Très drôle. Arrêtez de torturer cette pauvre Saturne. Arrête de torturer cette pauvre Saturne. Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que ça rame? Puis à l'époque au Japon, le backup c'était le jeu est fini, vas-y supprime tout, faut de la place pour le prochain jeu. Exactement. Bah apparemment c'est ça en tout cas d'après Florent Gorge et compagnie, ça a l'air d'être la philosophie du backup, c'était plutôt no backup quoi. Genre on n'a pas besoin de backup, là où on va on n'a pas besoin de backup quoi. En mode c'est bon, de toute façon on va pas revenir sur ce jeu, ça sera la suite qu'on va faire après. C'est aussi peut-être pour ça que les jeux se ressemblaient pas du tout dans les suites. Aujourd'hui comme Assassin's Creed par exemple où t'as l'impression de jouer au même jeu, deux fois de suite quoi.
Genre Assassin's Creed 2, Brotherhood et l'autre. Je sais même plus comment il s'appelle, tellement il y en a eu. Les trois Assassin's Ezio Collection là, c'est abusé quand même. Alors qu'à l'époque, bah, sur PlayStation notamment, les suites se ressemblaient pas, quoi. Je suis en train de crever en boucle. Parce que je vais essayer de jouer avec la croix. Excellente initiative. Il repartait souvent from scratch. Bah oui. Ça se voit dans Overblood ou dans des jeux comme ça, hein. Même Resident Evil 2. Hein. Resident Evil 2, il y a zéro. Il y a vraiment tellement peu de récup que c'est chaud. Hein. Il n'y a pas de modèle de zombie récup, il n'y a pas de. Il n'y a pas de son récup. Si, il y a des sons peut-être de porte récup. Mais vite fait, quoi. Enfin, c'est parce que c'est des sons gratuits et libres de droit, mais c'est tout, quoi. C'est assez choquant de se dire qu'il y a eu très peu de récup de l'un à l'autre. Bah écoutez, est-ce que j'ai pas mis le doigt sur un bug de Panzer Dragoon's Vi qui a toujours été là et que personne n'a jamais cité comme étant un bug? Parce que c'est incroyable en fait. Là je joue plus en analogique et j'ai pas le bug. Et le bug c'est que quand j'appuie sur R en mode analogique, ça envoie le berserk systématiquement. L'attaque puissante là. Les Resident Evil, ils ont tout refait à chaque fois. Genre, les Hunters, ils sont jamais réussi à refaire l'IA. Et donc pour le 2, ils ont fait les Lickers à la place. C'est marrant ça. C'est une vraie anecdote. J'ai vu qu'il y avait une histoire de que les doubleurs, ça y est, ils les ont retrouvés. Ils ont... Enfin, en plus de les avoir retrouvés, apparemment, ils se sont retrouvés ensemble et ils ont parlé, ils ont discuté dans une interview, j'ai vu. Enfin, je regarde ça. Parce que les acteurs-doubleurs du jeu, ils sont hauts en couleur, on va dire ça. C'est devenu des stars, quoi. Après, tu le sentais quand ils jouaient à l'époque que ça allait devenir des stars. Hein, mais... Pour moi, c'était déjà des stars dans mon cœur. Cet effet de grille, est-ce que ce n'est pas les devs qui n'ont pas voulu faire d'effet de transparence? Car ça me fait penser à la dernière news de MO5 sur KCVS of the Night version Saturn où il n'y avait pas cet effet de grille pour les boîtes de dialogue, mais grâce au patch du mec, il l'a remplacé par une couleur avec un effet de transparence. Oui, alors du coup, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, non. La Saturn ne peut pas faire des effets de transparence sauf si ce qui est transparent est en 2D. Tout ce qui est en 3D en quad, c'est-à-dire les quads rendus par VDP1, par le premier processeur vidéo de la Saturn, ne peuvent pas arriver sur l'écran transparent, car VDP2 derrière, eh ben, on ne peut pas passer les effets de VDP1 par-dessus VDP2. Parce que VDP2, c'est la priorité de rendu numéro 1. Et ils ont inversé les deux, c'est de la merde. C'est pas de la merde, mais techniquement, ils n'avaient pas le choix. Et du coup, à part appliquer sur de la 2D un effet de transparence, tu ne peux pas le faire. Alors, dans Sonic R, ils l'ont fait sur de la 3D. C'est pas de la 3D, encore une fois. C'est qu'au loin, toute la 3D est rendue par VDP2 en se mettant d'accord sur les envois, c'est-à-dire en disant à VDP2, là, il y a VDP1 qui fait de la transparence, donc t'arrêtes de faire ton rendu sur cette zone de l'écran, puis une nouvelle zone de l'écran, tu fais pas ce rendu sur cette zone de l'écran, puis une nouvelle zone de l'écran, à chaque frame. C'est un truc de fou, au niveau technique à faire, mais bon. C'est le mec, c'est un mec complètement taré de la Saturn qui l'a fait, il a réussi à le faire. C'est le même trick utilisé dans Burning Rangers, qui est un des derniers jeux de la Saturn aussi, enfin un des derniers jeux de la Saturn, à avoir de la transparence réelle, et de l'alpha, quoi, du coup. Et du coup, c'est en faisant un trick qui dit au processeur, cette zone-là, je me la réserve, cette zone-là, je me la réserve, cette zone-là, je me la réserve, et du coup, VDP1 peut rendre sa transparence sur ces zones-là. C'est juste n'importe quoi, cette console, au niveau rendu, mais c'est assez drôle. Et je savais pas que dans Castlevania Symphony of the Night, en version modée, on pouvait avoir de la transparence sur les boîtes de dialogue. C'est très intéressant, ça. Le Japon récupère pas de backup, c'est tabou. J'étais un étranger de merde, alors j'ai rempli les disques durs de data. Ils me retrouveront jamais. J'ai toutes les datas de tous les folders des deux derniers Suikoden sur un SSD à côté de moi. Ça sera pour MO5 un jour, après une interview. Trop bien, ça. Les acteurs de Live FMV, Wesker, Barry et Chris, ouais. Ah, ils ont pas récupéré Jill. Jill, elle veut pas. Et la transparence dans l'autre Panzer Dragoon Saga, bah, la transparence dans l'autre Panzer Dragoon Saga, c'est pas de la transparence du tout. C'est juste un plan qui ne rend rien. Et les textures du bord... Enfin, c'est un plan avec des ripples d'eau. Donc elles sont pas transparentes à la base. Et au fond de l'eau, la texture est différente de au-dessus de l'eau. Et tu remarqueras aussi que rien ne passe devant... rien ne passe derrière l'eau. Tout ce qui est au fond de l'eau, c'est rien. Il n'y a que dalle. Il doit y avoir 3 ou 4 modèles 3D qui sont de la couleur de l'eau.
C'est que du tricks quand tu regardes de près, hein. Vraiment. La transparence de l'eau dans Banzan Saga, elle est intéressante. J'ai pas installé Saga sur mon Fenrir. J'ai presque envie de le faire pour vous montrer comment ça marche, parce que c'est ultra intéressant de savoir comment ils ont hacké la Saturne pour qu'elle fasse de la transparence dans tous ces jeux, quoi. Vraiment. Et bah écoute, si t'as des sources de Suikoden, j'ai appris récemment que Suikoden existait sur Saturne, tu vois, donc... Enfin, je le savais, mais c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier. Mais il faudrait que j'y joue. Parce qu'il est cool. Suikoden, il y a tout un système de QG qui me donne vraiment envie sur Suikoden Saturn. Qu'est-ce que je suis nul à ce jeu. Saga sur le Fenrir, tu peux y aller avec le patch FR, il est super propre. Le patch FR me donne pas envie. Ça me va pas. les patchs français, faut vraiment qu'il y ait pas d'autres versions, quoi. Après, je crois qu'en anglais, il était pas super bien traduit non plus. Je suis quoi sur Saturn, il est... Hein, t'es en RGB, là, n'est-ce pas? Exactement. Je suis en RGB, là. RGB sur SSC, réglage nickel en 280... attends, combien déjà? En analog sync VTH en 191, pour pas avoir du tout de flou sur les pixels. C'est-à-dire que ça fait vraiment 1 pixel égale 1 pixel. Les fans du comptage de pixels sur RGB seront ravis ce soir de pouvoir compter le nombre de pixels que constitue chaque objet de ce jeu. J'espère que vous êtes heureux. Moi, je trouve ça... beauf, parce que du coup en S-vidéo ou en composite, la transparence est jolie. En composite surtout, la transparence est jolie. Mais bon, les gens n'aiment pas. Oui, Suikoden sur Saturn, il a une intro en plus et deux quêtes exclusives. Ah, je savais pas ça. Ça manque un peu de sharpitude. Si tu veux, je peux augmenter la sharpitude, hein. Tu sais qu'il faut pas me provoquer. Hein. Tu sais très bien qu'il ne faut pas. Parce que je peux faire par exemple un truc qui s'appelle, attention, accentuer. Ah. Hop, et voilà. Là, on peut compter les pixels. On est pas bien, là? Là, on peut compter les pixels, vraiment. Là. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est vraiment une horreur. Au secours. Là, vous la voyez, la transparence moisie, là? Là, vous la voyez, là? Là, on est comme sur une Model 2, là. La Model 2 faisait la même transparence que la Saturn, d'ailleurs. La Model 2 n'est pas capable de transparence alpha. Si vous jouez à Sega Rally, sur Model 2 par exemple, et que vous regardez les vitres des voitures, c'est pas de la transparence qu'il y a dessus. Hein. C'est les écrans des bandes d'arcade qui faisaient de la transparence. Après, la résolution est deux fois plus élevée que sur Saturn, donc forcément ça aide à ce qu'on voit moins que c'est pas de la transparence. Mais voilà, il n'y avait pas non plus une révolution entre la Model 2 et la Saturn. Hein. Elle pouvait juste tout rendre beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus de puissance de calcul et tout. Mais bah, elle n'avait pas des effets graphiques que la Saturn n'a pas, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Et elle rendait les jeux en quad. Elle rendait les jeux comme la Saturn, en quad, avec des cubes, et pas avec avec des carrés, pardon, et pas avec des triangles. Ça, c'est intéressant aussi. Modèle 1, modèle 2, c'est que du quad. De toute façon, modèle 1, c'était pas texturé, donc ça change pas grand-chose. Hein. Mais du coup, les modèles 3D sont faits très très différemment, quoi. Quand on pense à 4 faces par modèle 3D ou au lieu de 3, on fait plus du tout les mêmes choses, quoi. C'est bien connu. Le peuple demande de l'upscale 8K 120Hz 16/9, le tout diffusé en 1080p. La légende raconte que le Sharp à fond, tu peux voir les muons traverser le câble vidéo. Une belle connerie d'avoir pris des quads, à mon avis. Bah à l'époque c'était le plus courant puisque la 3DO faisait pareil, la Jaguar pareil, en fait c'était une techno d'avant quoi. C'est juste que ces gars ils se sont dit bah on va faire la techno que les gens utilisent le plus en ce moment, et comme bah la 3D était pas encore très très avancée, enfin, c'est ce que j'ai compris moi en tout cas quand Madeville m'a dit c'est des quads, je me suis un peu renseigné sur la 3DO et effectivement Rodrash il est en quad, Need for Speed est en quad, tout est en quad. La carte vidéo de la 3DO peut faire que du quad aussi. Il y avait Poed aussi. Quad est un jeu entièrement en quad et il est sorti sur 3D. C'est terrible le quad. Il y avait une carte 3D qui permettait de faire du quad. Qui était sortie, qui permettait de faire tourner des jeux Saturn notamment. Des jeux Sega, Sega PC. Quelle belle connerie de pas être passé en vectoriel. C'est vrai que le vectoriel c'est classe. Le vectoriel c'est vraiment cool. Là on voit le radar et les barres de vie, c'est cool non? Regardez le boss, il arrive. Il est beau. Il sent bon le sable chaud. Regardez l'ombre. Alors, regardez la transparence de l'ombre du boss. Regardez l'ombre du boss. Elle est transparente. On est d'accord. Vous avez vu. Pourquoi? Parce que l'ombre du boss est gérée par le même processeur qui gère le sol.
et que c'est pas une transparence, c'est la texture plus sombre. Et elle est rendue dans une région qui correspond à l'ombre du boss. Du coup, ils auraient pu faire ça pour tous les ennemis, sauf que le problème, bah, c'est que ça aurait pris énormément de ressources, parce qu'il aurait fallu remettre une texture plaquée sur la texture du sol, pour dire, cette texture en plus sombre, tu la mets sous le boss. En fait, faut juste regarder, tu prends un émulateur comme Yabo's, et tu vires les processeurs un à un. T'as VDP1, VDP2, t'as les deux processeurs principaux, les deux CPU, tu peux les couper à tout moment et voir ce qui se passe. Et le jeu se comporte vraiment de façon oufissime. Il faut vraiment que je fasse une vidéo comme ça, parce que j'en avais fait une sur Saturn déjà. C'était vachement intéressante, je trouve. Sur 32X, pardon. J'avais fait une vidéo comme ça sur 32X. Et sur Saturn, c'est pareil. Le VDP1 et le VDP2 travaillent en orchestre et c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un jeu de quad en quad? Ça serait classe. Ça serait triste qu'il n'y en ait pas. Et merde. J'ai perdu un tout petit peu d'efficacité. Vous vous souvenez d'Elemental Gearbolt? Non, je vous en parle parce qu'il faut en parler. Je vous en parle parce qu'il est bien, c'est tout. C'est juste pour dire que les quads sont toujours utilisés aujourd'hui. Ah, c'est intéressant ça. Dans les rodéos urbains? Ou sur console, tu veux dire? Parce que sur console moderne, je pense pas. Hein. Les quads sont toujours utilisés, mais uniquement pour la modée, car c'est plus facile de modéliser comme ça. Mais au niveau du rendu, on passe ça sur des triangles. Ah oui, d'accord. Oui, bah comme les NURBS à l'époque. Je sais pas si vous avez connu cette époque où moi j'utilisais 3D Studio Max, et on pouvait faire de la modélisation polygone ou de la modélisation NURBS. Et le NURBS, c'était une sorte de courbe qu'on ajustait, et à la fin on appuyait sur un bouton évidemment pour polygoner quoi, pour rendre en polygone, mais les Bézier en 3D exactement, c'est ça. Du NURBS, c'est Bézier en 3D en gros, c'est ça. Et c'est vachement intéressant les NURBS, pour le coup. C'était vraiment une méthode de modélisation ouf, et ils arrivaient à plaquer de la 3D sur des splines en mode... c'était rendu en polygone, mais c'était vachement intéressant. C'est cool de voir des gens qui connaissent ça. Quad à l'époque, c'était le moyen de pas avoir trop de bugs sans Z-buffer. Il y avait ça aussi, hein, la PS1, on parle de toi. Là, le Z-buffer de la PS1, c'était une violence rare. Sur Saturn, il y a des petits problèmes de Z-buffer, bien sûr, mais il y en a quand même nettement moins. Bah, il y a d'autres problèmes, en fait. Et ce qui est très bizarre sur Saturn, c'est que du coup, bah, sans dithering, ça rend bizarre les jeux. T'as l'impression que la 3D est pas assez riche. Alors qu'au final, elle est plus riche que sur PlayStation, puisque... Bah, elle est aussi riche que sur PlayStation, quasiment. Il y a très très peu de polygones en moins, il y a très très peu de faces en moins, en fait. C'est juste que les méthodes de rendu en dithering, ça donne l'impression de bordel à l'écran. Je sais pas si tout le monde comprend bien ce que veut dire ce qu'est exactement dithering, mais je pense qu'on est en petit comité ce soir. Donc, ça devrait aller. Les Bézier en 3D. C'est fou. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait de l'écho sur les NURBS, tu vois. Et là, vous voyez que je perds de moins en moins de vie. Pas parce que je suis de plus en plus fort, hein. Je suis de plus en plus nul. Mais je perds de moins en moins de vie parce que mon niveau monte mon dragon monte en niveau. J'ai un aft, c'est insupportable. Donc, Aruno, Isekai Ojisan, vu ou pas vu? Toujours pas. Le Dithering, c'est comme le Spotify. Exactement. C'est ça. Le Dithering. Quelle horreur. J'aurais pas dû me griller mon... J'aurais pas dû. Ça serait visuellement transparente si on n'était pas en RGB. C'est ça. Notamment, bah sur PlayStation, ils ont compté sur le composite, en tout cas, pour cacher le dithering. Et ça marchait sur FF7, par exemple. Le jour où je suis passé d'un câble composite à un câble RGB sur FF7, bordel de merde, les combats étaient moches. Je me suis dit, mais pourquoi il y a cet effet bizarre? On dirait que la PlayStation, elle sait pas faire de transparence maintenant que j'ai du RGB. Et clairement, il y a un problème, le dithering rend la transparence PlayStation moins belle que ce qu'elle met, quoi. Je comprends pas trop pourquoi ils ont mis du dithering sur tous les jeux comme ça. Je trouve ça un peu saboté, quoi. Je l'ai saboté. Putain, je vais pas passer le deuxième niveau, sérieux. Bon, ça rame. Bon.
Ah, j'ai envie d'installer Saga maintenant, c'est malin. J'ai envie d'installer Saga. Venez, on installe Saga. Quel chiant, lui. J'étais sûr que ça allait arriver ce moment-là. Par contre, il sera en anglais, hein, je suis désolé. Mais... on va prendre que le CD. Hein. Le but étant de voir Lou, juste pour vous expliquer vite fait, mais c'est 412 mecs, putain. Pendant ce temps-là, bah on va continuer, hein, de toute façon. Pas de raison de l'arrêter. Tadam, 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 tadam. C'est ce qui fait rire, ça arrive. Il y a toujours ces sous-boss. C'est vraiment... j'ai beaucoup plus de mal avec les sous-boss qu'avec les boss dans ce jeu. À chaque fois, c'est eux qui me font baisser toute ma vie, quoi. Saturne ne rame jamais, voyons. La plupart des jeux Saturne, quand il y a des moments difficiles, ils font exprès de mettre le jeu en slow-mo. Un petit Panzer Dragoon Horta à l'occasion, pourquoi pas. Sur Series X, en 4K, 120 FPS, HDR, bah je peux. Hein. Je peux pas en 120 FPS, mais je peux en 4K HDR. Je l'ai dit. Ça, c'est déjà bien. Je vais pas y arriver. À chaque fois que je vois les choses arriver, c'est déjà trop tard. Ça me suit. Les patterns sont très différents. Après, j'avoue, ça fait quoi si on débloque dans Horta le premier Panzer? Il marche? Je serais curieux de voir. Est-ce que le premier Panzer dans Horta en rétro-compatibilité fonctionne? Ah non, il m'a tapé. J'avais oublié qu'il pouvait taper. D'ailleurs, à l'époque de Horta, j'avais eu le cadeau Xbox Collector Horta, qui est cool. C'est vrai qu'il y en avait 3000. Il coûte une blinde, apparemment. Ah oui, la Xbox Horta, c'est une des plus chères, aujourd'hui. De loin. De très très loin. Je sais pas combien j'en suis au niveau de ma carte SD. J'ai 16 Go. Pour de la Saturne, c'est beaucoup. Peut-être un détail pour vous, mais pour la Saturne, ça veut dire beaucoup, 16 Go quand même. C'est dur de saturer 16 Go de mémoire sur une SAT avec les jeux Saturne. Mais ne me sous-estimez pas. Mais tenez ma bière. Je pense qu'à la fin, j'aurai tout saturé. Ah, j'ai eu l'occasion d'essayer le jeu, vous savez, le fameux jeu dont j'oublie tout le temps le nom, qui a notamment des graphismes super beaux, et un jeu de plateforme, un vieux jeu de plateforme qui n'est sorti qu'au Japon, et qui est très peu connu de la Saturne, et qui est animé d'une main de maître. J'ai réussi à le faire marcher sur mon Fenrir, et c'est classe. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Maintenant, je pense qu'il va falloir que je lise la soluce et que je fasse semblant de découvrir le jeu, parce que ça va être compliqué. Hein. On comprend rien à ce qu'il faut faire, et même je pense en parlant japonais. Je vais peut-être enlever le. Je vais enlever l'accentuation. C'est où? C'est où le bouton? Je comprends pas. Je vais enlever l'accentuation, ça ira mieux. Et vous avez vu, maintenant le jeu il a l'air. Incroyablement beau. Astal. Non, Astal c'est nul. Tu l'as vu toi-même. Astal c'est nul. Nanatsu no Kaze no Shima, exactement. Jeu Enix. Il est incroyable ce jeu. Alors si vous pouvez juste me mettre le boss direct, ça serait cool. Ils ont pas envie. Ils ont pas envie de mettre le boss direct. Ils vont me mettre le sous-boss qui est imbattable. Vous savez que j'arrive jamais à battre. C'est dommage, hein. Après, on va le redécouvrir ce jeu, hein, plus tard. On va le redécouvrir avec la presse de l'époque et tout. Hein. Donc vous inquiétez pas, si je le passe pas ce soir, ce boss-là, on le passera un autre jour.
C'est une impasse ? Oh non. J'ai une boîte dans mon armoire. J'en ai une boîte dans mon armoire, je sais pas, je vais attendre de la revendre un jour pour acheter un full set PC fixe. Tu parles de quoi ? Une boîte de quoi ? D'ailleurs, à l'époque de Horta, j'ai vu un cadeau. Ah d'accord, c'est ça, la boîte de Horta. Bah Horta, la Xbox Horta d'occasion, garde-la. Hein. Moi, je la garderai. Si c'était toi, c'est une valeur refuge. Hein. Ça va finir par valoir plus que le cuivre. Que la tonne de cuivre. Combien vaut une tonne de cuivre aujourd'hui sur le marché ? Allez, interrogation surprise. Combien vaut une tonne de cuivre sur le marché d'aujourd'hui ? À la fermeture de la bourse. Ah, Nanatsu, on va finir par faire les mêmes jeux. Oui, bah, c'est toi qui as commencé, quoi. Excuse-moi, mais... la sélection des jeux, c'est toi qui as indirectement commencé. Pas très très grave, mais... Après, si tu regardes pas de Solus, encore une fois, et que tu fais pas l'historique des jeux, c'est pas vraiment le même contenu. Moi, Shinobi, par exemple, je le ferais, je pense. Mais avant, je lancerais sûrement tous les tests de l'époque. Et les tests français de Shinobi étaient très intéressants. Très intéressant de voir un jeu 2D sortir sur Saturn et de le voir se faire incendier sous prétexte qu'il était en 2D. C'était probablement c'était encore cette époque-là, hein, comme Alundra, comme d'autres jeux, qui se faisaient allumer juste sous prétexte qu'ils étaient en 2D. Je vais encore crever. Moi, ça me tue qu'on puisse dire d'un jeu qu'il est nul juste parce qu'il est en 2D. Ah, je me suis fait encore dégommé. C'est triste. 9€ le kilo de cuivre aujourd'hui. Putain, c'est un peu cher. Hop là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, save, ça sert à rien, j'ai pas de pile dans ma console, j'ai rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en just chatting, on va mettre de la Zikmu. On va éteindre la Saturne. 8540€ la tonne. 9€ le kilo, d'accord, 9€ le kilo. J'avais lu la tonne et je me disais, ça me paraissait bizarre. Ok, d'accord. Bah c'est cher, vous avez vu. Et la tonne d'or, on peut le savoir. Ça doit être drôle, la différence. Je sais pas pourquoi tu fais des jeux comme ça, quoi qu'en plus, vraiment, c'est loin de représenter la Saturne. Je pense que je comprends pourquoi tu te lasses de la ludothèque Saturne. Si tu fais que des jeux chelous en mode obscur, ça va... Je pense que ça va pas autant te plaire que les bons jeux qu'il y a sur Saturne. Oh, ça pue du cul. Je pense qu'il a pas marché. Parce que je l'ai pas téléchargé au bon endroit. Je pense que le jeu ne va pas marcher. Je vais essayer, mais en attendant, je vais retélécharger une autre version que je pense qu'il marchera. Avec un peu de chance, elle marchera, mais je pense qu'elle marchera pas. J'ai téléchargé sur CD Romance. Et sur CD Romance, certains rips sont pas ouf. Du coup, c'est pas de bol. Mais... Je reviens. On va essayer comme ça. Ça télécharge de toute façon. Panzer Dragoon Saga. J'ai récupéré. Ouais, ta mère. Pardon. C'est pas pour vous. Manque cet été. Jeu de merde sur Saturne. Voilà. Très bon exemple de jeu pourri. Hein. Manque cet été. Jeu de merde. Voilà. J'avais acheté à l'époque. Ah ouais, d'accord. Alors là, j'ai un CD de Panzer Dragoon Saga qui fait 600 MB. Et là, j'ai un CD de Panzer Dragoon Saga qui fait 394 MB. Putain. J'ai l'impression que Rodom, c'est quand même un peu plus fiable. Que CD Romance. Ah, je sais pas sur quelle vidéo t'es tombé alors de Nanatsu, parce que Nanatsu en général, quand il y a des vidéos, tout le monde dit ça sert à rien de le faire en japonais. Il existe qu'en japonais malheureusement. 56 063€ le kilo d'or. Putain. Une Xbox Horta. Sur eBay, y'a pas ? On va aller voir. Alors, eBay. Sur Bailly, ce serait rigolo, tiens.
Xbox Porta. Pam, 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 pam. Je l'ai copié Oui, je l'ai copié. Ah, le multitasking. Y a pas la console. Je pense que la console, elle est tellement rare qu'il y en a zéro actuellement. Est-ce qu'il y a des ventes réussies? Sans le pain grillé. Les gens, ils se font du pain grillé à 22h. C'est rigolo. C'est où déjà les offres, les trucs réussis? Ventes réussies? Salut Tristuguts! Comment ça va? Je n'allume pas tes LED aujourd'hui, je n'allume pas mes LED aujourd'hui. Mais il fallait suivre Twitter, c'est normal. En fait, quoi que, je me suis rendu compte que c'est mes LED qui font des parasites sur la Saturn, sur l'OSSC. Et du coup, il faut que je trouve une solution pour les brancher autrement. Donc actuellement, je ne les mets pas. Ouais. Et salut Ouba! Comment ça? Ah bah Ouba, il arrête quand? Il vient de raid, on est d'accord. Salut Ouba! Bonsoir tout le monde! Là, on est retombé en enfance tout à l'heure chez Ouba. Je vous encourage à aller chez Ouba. N'hésitez pas à faire un SO si vous pouvez. Chez Ouba, on est retombé en enfance avec le Majo Kit et les crash tests de mise en jouet. C'était rigolo. Il y a zéro console, quoi. C'est assez hallucinant. Et alors, Panzer Dragoon Horta, comment ça s'écrit en japonais? Comme ça, on va voir sur Bailly. On va pouvoir faire un instant Bailly. What are you buying? Incroyable. Hop. Voilà, on va sur Bailly. Ce login, pourquoi pas. M'en fous. Un peu. Un peu je m'en fous. Hein. En vrai. On va aller voir sur Mercari si on a des trucs. Bien ou bien? Bah bien écoute. Merci pour ton raid. Oh, il y a le guide officiel de Panzer Dragoon Horta. Il coûte un peu cher, dis donc, 34€. Y a que le jeu. Alors sur Yahoo Japan Auction, c'est là qu'il y en a le plus de chances de le voir. La console Horta. Maintenant, on va voir. J'y crois pas trop. Mais... Ouah, Panzer Dragoon 1, 2, Saga et Horta. Pour 53€. C'est vraiment pas cher. C'est très intéressant ce pack, dis donc. Vous vous rendez compte que pour un frais bailli, vous avez Panzer Dragoon. Le 2, le Hazel et le Horta, tous les Panzer Dragoon en un seul achat. En achat direct en plus. C'est vraiment bien. Salut Ryu Brady, comment tu vas? Mon seul Horta, tu peux pas regarder dans les ventes réussies? Sur Bailly, non. J'ai regardé dans les ventes réussies sur eBay, y'en avait pas. Et là, y'en a pas non plus. Bah écoute, c'est toi qui fixes ton prix, hein, je pense. Parce que j'ai l'impression que personne la vend, cette machine. On va repasser en 4 tiers, du coup. Puisque là, si on joue à Saga, il n'est pas en 16/9 celui-là. Attends, je sais pas s'il va marcher. Ça sent le timeout. Ça sent le timeout. Ça sent le lancement timeout. C'est quand on arrive à Renault. J'ai des boîtes en trop dans mon armoire. Ouh là là ! C'est en mai. C'est loin. C'était en mai. Ça va super, Harry Brady, écoute. Et toi? On va mettre le RIP que je pense qu'il est meilleur. Oui, oui. C'est français, oui. Écoute, je les accepte avec plaisir, moi, les boîtes. Hein. Toujours. Panzer Dragoon USA, disque 1. 404 mégas. Les tailles sont différentes à chaque fois, c'est trop bizarre. Je vais bien tranquillement en train d'imprimer. Alors, est-ce que tu pourras m'imprimer des trucs? Est-ce que tu peux m'imprimer un capybara en 3D? Ça serait cool. Si tu m'imprimes un capybara en 3D. Je sais que les Robits en 3D n'existent pas trop. Mais si t'arrives à m'avoir un capybara, moi je suis le plus heureux des hommes. Ah, demain, il y a Pisuke d'ailleurs.
J'avais oublié qu'il fallait que j'aille voir Pisuke demain. Il passe à Montpellier. Mais c'est un boss de Jumping Flash, ça. C'est pas le boss final de Jumping Flash, hein. On dirait. Bonsoir Ibri, comment tu vas? Hop là, c'est copié. On va lancer Saga. De toute façon, c'était un peu... Je savais que je finirais avec Saga quelque part dans ma console, un jour. Vous avez vu un peu la qualité d'affichage de la console? C'est incroyable. L'OSSC, une fois bien réglé et sans parasite, c'est beau. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de stream, sachez que le... Du coup, je répète. Ce logo. Les gens qui se pignolent sur le logo de la PlayStation, alors que moi, j'entends le logo de la Saturn, j'ai déjà la trique. Bref, oulala. C'est un peu vulgaire, ça, dis donc. Amok, qu'il faut que j'oublie. Et du coup... Va éviter. Saturn! Incoming! Saga. Et on va lancer PDS. C'est-à-dire comme si c'était Panzer Dragoon, mais il y en avait plusieurs. Bon. Attention. Team Andromeda Presents. Un jeu protégé. Mais pas contre le Fenrir. C'est à peu près là que ça crache. Hein. Je sais que ça peut cracher au logo Team Andromeda. Ça peut cracher sur le BIOS. Et ça peut cracher après cette vidéo-là. Ou quelque part dans cette vidéo-là. Tous les checks anti-piratage de ce jeu, c'est incroyable. C'est un des derniers jeux de la console et il check beaucoup, beaucoup de trucs. Quoi. Il y a des ventes Fenrir ce soir. C'est passé, ouais. Salut NGN Kazaid, comment ça va? Merci pour ton raid. Vous étiez sur quoi, dis donc? Je sais pas comment on fait pour savoir sur quoi étaient les gens. Comment ils font, les gens, pour savoir sur quoi ils étaient, du coup? Il y avait une vente Fenrir ce soir, elle est passée, du coup. Une pré-vente, du coup. Des pré-achats, quoi. Salut Mister Arino Taku, ça va? Comment vas-tu, NG? Je peux t'appeler NG? Il leur demande. Je n'utilise pas Twitch Chat. Il leur demande, c'est tout. Non, mais il y a moyen, je crois, avec Twitch Chat de savoir sur quoi ils étaient. Ils ont le titre de leur stream, du coup. Tu peux mettre en place une commande spéciale avec Wisebot. J'ai pas Wisebot. Ah, tiens, tu vois? Ça, c'est la vraie ISO du jeu. Il n'y a pas le déplombage de la protection. Je patchais les jeux pour lire avec le pseudo Kai. Ah, cool. Moi, il n'est pas patché, le mien. Comme vous l'avez vu, à l'instant. On va essayer de le relancer. Faire un SO, le nom du streamer. SO, le nom du streamer. Bah non, parce que mon SO, il l'affiche pas, moi. Ça s'appelle SO. Moi, SO, c'est moi qui l'ai créé. J'avais créé mon propre SO à l'époque, en tout cas. Mais particulièrement sur des jeux pas ouf. Ce soir GameCube comme tout le temps. D'accord, ok. Bah écoute, bienvenue à toi, merci encore pour ton rail. Et on va essayer de skipper peut-être. Et je crois qu'il faut patcher le bin. Bah ouais, mais je sais pas comment. Ouais, il a pris plein de ventes, Zed. Ça peut être en train d'arranger ses problèmes de vente de Epilumé. Il a des problèmes de vente. Bah, je vais essayer de le télécharger. On va arrêter la musique. Panzer Dragoon Alta. On va re-regarder Panzer Dragoon. On a par exemple un livre Panzer Dragoon Horta. Panzer Dragoon Art. Attends. Alta. Il est classe ce livre là. Je connais pas bien le système de protection de Sega, je suis plus côté Nintendo. Alors Sildarul, sache que ce jeu là c'est le plus protégé de la Saturn. Cette n'a pas de soucis de vente, c'est vrai. Les joueurs ont des problèmes d'achat, par contre. Ouais, d'accord, c'est plutôt ça. Ouais. Reprise des streams en tout ça. Cool. Super cool. Du coup, il y a ce bouquin de Panzer Dragoon Horta. Yeah. Et merci Sildarul pour ton follow. Bienvenue chez les Pabredis. Bienvenue chez les Arunotakis. Si quelqu'un a l'ISO patché, ça peut m'intéresser. Je vais regarder si je peux pas la trouver.
Panzer Dragoon Saga Patch. Je ne sais pas. On va taper au hasard. Ah, c'est la version française. Peut-être qu'elle est déjà patchée, non? Il y a des chances. Je dois aller au site des fouilles. Au site des fouilles. C'est des romances. Ben, c'est des romances, il marche pas le rip qui est dessus. Non, il n'y a pas le patch FR sur CD Romance. Si? Non. Ils auraient jamais fait un patch FR. Vu que la version USA est sortie, j'ai un doute. Il n'y a aucun jeu. J'appelle Saga. J'attends Flash One, mais... Ah, merci. J'avais pas vu. Désolé. Version pseudo-kai. Parce que là, il détecte un pseudo-kai, c'est bizarre. Je t'ai MP le programme pour patcher. Ah, le programme. Ah. C'est pas le bon lien. C'est pas le bon lien. C'est pas le bon lien. Ah, mais il faut Wisebot, du coup. Le Fenrir désactive la détection d'ouverture et de fermeture du capot. Vous savez quoi? On va passer à Amok parce que je vais pas patcher un Unison en live, donc tant pis. Je rejouerai à Panzer Dragoon Saga un jour, mais pas ce soir. On repasse en télé-rétro et on va découvrir un nouveau jeu qui s'appelle Amok sur Saturn, qui a un rendu marrant Non, c'est pas du tout compliqué de contourner la Saturn, comme je l'ai déjà dit. Il faut bien écouter. J'ai dit Panzer Dragoon Saga, c'est le seul jeu le plus protégé de la console. Et il est très protégé, pour le coup. Ils l'ont protégé contre les cartouches et contre les puces. Enfin, pas contre les puces. Justement, la puce, c'est la seule à passer. Je n'avais pas pensé. Bon, je n'entendrai plus le son alors. Mais tu peux quand même le mettre, hein. Normalement. Ah, par contre. En fait, si... le Fenrir prend le contrôle, mais tu peux dire dans le menu du Fenrir qu'on va voir, là, de toute façon. Je vais te montrer. Salut Boutendo! La belle interface que voilà, la Saturn. La meilleure shoot sur rail de la Saturn, on va mettre Amok. Un jeu intéressant sur Saturn. Sur Sega Saturn. On a déjà le mot. Tu le patches, il passe partout. Ouais, tu le patches, mais je vais pas le patcher ce soir. Je me sens pas de faire ça à la volée là. Trop compliqué. Surtout pour un patch, surtout pour un stream détente à l'arrache. C'est pas possible quoi. Donc Amok, qui est un shooter, qui n'est sorti que sur Saturn à ma connaissance. On va regarder sur vite fait sur Wikipédia, mais pas, on va pas faire une vidéo entièrement sur lui. Amok. Amok Saturn. Il a pas de page Wikipédia. Si. Et il est sorti sur PC, pardon. PC et Saturn uniquement. 31 octobre 96 sur PC et ensuite sur Saturn. Et du coup, ce qui est drôle, alors je sais pas s'ils en parlent. Ouais, ils en parlent. C'est un jeu dont tout le sol et tout le terrain est en voxel. Je crois qu'il est très sombre aussi, le jeu. Putain. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas la correction gamma là. On va se remettre en mode vidéo. Avec une petite musique bien stylée. Bah d'ailleurs, on voit déjà le jeu qui tourne. Et si vous regardez bien au sol, il y a un rendu un peu chelou. Je vous lève mon stream, Mario Taco et Hall. Merci pour le soutien. Merci Dingodor. Merci beaucoup, NG, pour ton raid. Et à une prochaine. Merci encore. D'ailleurs, Saturn Jap, c'est la petite musique quand tu ouvres, et en euros, c'est juste un petit SFX de Bling. Vive la version Jap. La version Jap, c'est... C'est trop bien. Et la version européenne, c'est juste... Bling. Fort Boyard. Il passe partout. Et vous voyez là, le terrain que vous voyez dans le jeu, et bah, c'est du voxel. Donc c'est la console qui le rend. Sans passer par les outils de développement de base de la machine,
et c'est le CPU à 100% qui le rend. C'est-à-dire qu'il y a zéro aide de l'affichage de la console, quoi. C'est assez intéressant. C'est quoi ce son? C'est la zik du jeu? Oui, c'est la musique. On va dans les options pour juste voilà, baisser un peu la difficulté. Le contrôle, on regarde un peu. Alors on a Dodge pour L et R, on a Change View. Ok. On a les missiles, le shoot et le run. Pour aller plus vite j'imagine. Bombe et Heavy Missile. Ok. Ok. Je regarde juste là, vite fait parce que bon. Musique test, password. Ok. Et bah allons-y. Stato game. Regardez un petit peu le briefing de mission. Parce qu'il y a toujours des petits briefings de mission dans ce genre de jeu. C'est assez marrant. The AZTK Island. Is deployed a few miles off coast. Vous êtes à quelques milliers de miles de la côte. Écoutez ça, le son a l'air intéressant. Effectivement, le son de Amok est rigolo, apparemment. En tout cas, la musique est cool. Get to the rendezvous point as quickly as possible. Là, on a la carte, du coup, avec les briefings et surtout les mines qu'il faut éviter. Il faut éviter les mines et les bestioles sous l'eau. En fait, j'ai passé toute ma soirée à tester Amok et à me dire à quoi je vais bien pouvoir jouer, putain, en jouant à Amok. Du coup, je me suis dit, bah, Amok, c'est bien, en fait. Donc, du coup, ce soir, on va regarder un petit peu Amok. Il marche pas à l'analogique. Ah, pire encore, il met la pause quand on désactive la manette. Très bien. Marrant, ça. Donc là, vous voyez, le sol, il est rendu de telle manière, quoi. C'est vraiment chelou. On reconnaît tout de suite, assez rapidement, le voxel, par ce rendu unique, qui fait que quand on tourne, les pixels qui forment l'image, et eh ben, tournent avec. C'est bizarre, vous avez vu. Les pixels, on dirait qu'ils glissent sur l'image. À côté de ça, évidemment, il y a de la 3D classique. Le vaisseau est en 3D normal. On a de la 2D classique avec le HUD, tout le reste, quoi. Et je sais pas s'ils utilisent pas VDP2 pour faire le voxel, ou une partie de la Saturne pour faire le voxel. Voxel, les mouettes, exactement. Amok et Deep Fear, ça aurait été super. Ah oui, clairement. Ah, clairement. Alors, c'est tout à fait dans le trip Deep Fear, dans le sens où on est dans l'eau. Et là, vous voyez les petits points rouges, voilà, ça c'est les ennemis. Et on peut leur tirer des missiles dans la gueule. Bon, même s'ils sont pas forcément très méchants. Même s'ils sont pas forcément... voilà, c'est pas forcément la foire à la saucisse. C'est la foire à la saucisse, c'est n'importe quoi. Les gens sont absolument odieux, désagréables, méchants. Il est revenu. Ça, c'est les missiles. Voilà. Les missiles, pas tête chercheuse, apparemment. Arrêtez. Putain, c'est bon ça! Mais y'a mes tekudasai! Voilà. Donc on peut tuer les requins. Bien sûr, quand on est bon, ça va plus vite. Il y a plusieurs vues. Il y a évidemment de quoi avoir du score, des points. Le classique, quoi. Je tire sur tous les requins. Je tire dans tous les recoins. J'ai plus de missiles? Mais c'est parce que j'ai pas de missiles! Je suis vraiment un gros con. Je suis vraiment si nul que ça au jeu vidéo? Non. Là, voilà, là j'accélère, là j'arrête. Vous voyez qu'il y a bien une accélération sur C. Et je trouve que le rendu est vraiment assez unique. Saturn! Ça, c'est un peu historique hein, sur le stream. Ça, c'est une vieille alerte. Et j'ai retrouvé par où il faut aller. Donc voilà, ce jeu est passé assez inaperçu et pourtant, bah, il utilise de manière assez révolutionnaire la Saturn. Et ça permet de faire notamment bah, des terrains. Et alors, il y a un autre jeu, je suis désolé, hein, je digresse, mais vous savez, mes streams partent toujours dans tous les sens. Mais il faut que je vous montre un autre truc. Comanche sur Super NES. Super NES. Super Nintendo. Super Nintendo 64. C'est marrant ça. Eh bien, sachez que Comanche sur Super Nintendo devait être en voxel avec un Super FX. Il devait utiliser le Super FX comme support. Pour faire du Super FX 2, il me semble même, pour faire du voxel. Sachant que le voxel, ça consomme énormément de puissance en théorie. C'est le sol et le relief qui est en voxel. Les algues sont de simples planes orientées vers la caméra, des billboards, des sprites en fait. Ouais, c'est exactement ça, Yubsolo. Donc là, on voit comment sur Super NES, on va peut-être mettre une vidéo autre qu'un reportage. Voilà. Donc là, vous voyez. Comanche, d'ailleurs il est dispo en ROM si vous voulez le tester.
L'hélicoptère est un sprite, mais vous voyez que tout le terrain est exactement comme dans Amok, c'est-à-dire en fait du voxel. Là, si vous voyez, je remets Amok, on a un peu les mêmes rendus. Là, je me suis pris une mine en pleine face, je suis vraiment trop nul. Et voilà, donc je trouve ça vraiment très intéressant, moi, ce genre de jeu. Mais je vous ai pas mis la vidéo en fait. Je suis con. J'avais zappé, je suis désolé. Donc là, vous voyez la version Super Nintendo de Comanche et en dessous la version Amok. Toujours du voxel pour le terrain dans les deux cas. Et c'est assez drôle. Je trouve ça vraiment intéressant. On va continuer. Hop. Par contre, là, il y a trop de musique en même temps. Désolé. Et Comanche, c'est bon. Tu peux rentrer à la maison. On va finir la mission, histoire de continuer à explorer un peu le jeu. Mais en tout cas, c'est cool. Pas la bonne scène, je suis désolé. Un léger bruit blanc sur ta voix, je crois. Pas gênant aux enceintes, au casque, peut-être un poil plus. Un léger bruit blanc. Ah, c'est mon PC. C'est mon PC qui... ça tournait en temps réel sur SNES. Ouais. Après, le voxel était en résolution vraiment très basse. Je sais pas si je peux essayer d'isoler un peu le bruit, mais je suis désolé, c'est mon PC qui ventile à mort à cause de la chaleur. Ça tourne en temps réel sur SNES. Je sais que Kofi a le même problème, d'ailleurs. J'ai remarqué. Kofi a un vrai problème sur son stream, c'est qu'il a des sons de choc extrêmement violents dans son micro si on écoute au casque assez fort en volume et tout. Easy. On va redémarrer. Vous inquiétez pas, maintenant que je connais la mission, ça va aller vite. Voilà, l'île de Azteca. Falster. Votre vaisseau est déployé plusieurs miles. Quelques miles. À quelques miles de la côte. Le point initial est là. Vous devez aller au rendez-vous point le plus vite possible. Des mines sont présentes. Faites attention. Ah, peut-être que si j'avais mis la console en français, le jeu était en français. Parce qu'il me semble qu'il est en français, ce jeu. Mais c'est la version US que j'ai pris aussi. Donc ça marchera pas. Voilà. Donc on y retourne. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal, je trouve. Et là, encore une fois, on est sur OSSC sans parasite, sans aucun souci de whatsoever, comme on dit en anglais, de rendu. On est vraiment sur un rendu ultra clean des jeux. Alors, vous connaissez mon amour du RGB. Par amour, je veux dire, bien sûr, werf. Et ça rend quand même vachement bien, le RGB. Même si, bah, encore une fois, il y a des effets, comme vous l'avez vu là, des effets notamment de stries sur l'écran, qui font que bah, ça annule pas mal des effets cheapos qui étaient utilisés par la console. Là, j'ai fini la première mission. Débriefing de la mission 0, phase 1. Les ennemis, 20%. J'ai tué que 20% des ennemis, j'ai pas trouvé de secret. Outcome, 0. Ah non, success. Ah, outcome, c'est juste statut de la mission, quoi, en fait. Et apparemment, c'est un succès. Un succès planétaire. C'est assez impressionnant. Du coup, Comanche sur SNES, si vous avez l'occasion d'y jouer, il faut une carte flash qui a le Super FX2. Donc je crois que le FX Pack doit l'avoir. Et sinon, bah, un émulateur qui émule le Super FX2 ou le Mister FPGA. Il y a d'autres moyens, j'imagine, mais je ne les ai pas là. Alors, task 1, des soldats patrouillent dans cette zone. Neutralisez-les pour éviter les renforts. Tâche 2, le générateur qui... ah bah tiens, le générateur, il est en voxel aussi. Et il est très très joli. Il y a aussi un radiotransmetteur à détruire. Là, il y a beaucoup de trucs à détruire. Hein. Et le point de rendez-vous est là. Ok, d'accord. Initialisation, et on est parti. Toujours sur du voxel. Et là, on peut vraiment shooter, quoi. Là, on est vraiment sur un jeu de tir. On est plus sur un jeu d'explo. On peut esquiver avec LR. Ouais, d'ailleurs, j'ai un véhicule qui marche cette fois. J'ai pas un véhicule qui vole. Intéressant. Et je peux courir. Cool. Vous voyez que c'est un jeu assez varié. Assassin's Creed varié.
Les soldats sont éliminés. Maintenant, il me faut l'autre... Vous vous souvenez des missions qu'il fallait que je fasse? Là, il y a une tourelle, apparemment. Je crois que j'arrive pas à tirer dessus. J'ai vu qu'il y avait Doom Voxel qui était sorti d'ailleurs en parlant de ça. Digital Foundry, on fait un petit test de Doom Voxel. Là, vous voyez par exemple le sol, comme il est beau. Et c'est une 3D, le Voxel, qui est pas instable. Elle est instable, mais par les pixels, quoi, c'est un peu chelou. Moi, je trouve ça super cool. Sur PC, Doom Voxel. Mais apparemment, il y a un nouveau truc. Où ils ont refait les ennemis en 3D, notamment. Ils ont refait les items en 3D, ils ont tout refait en 3D. Avec des cubes. Et c'était assez bluffant, hein, je trouve. Par contre, je trouve plus qu'il faut détruire. Je me souviens plus bien de la... Ah tiens, il y a un truc ici. De la vie. Je crois que ça c'est la suite. Attends, faut pas que j'aille là en fait. Faut pas que j'aille à exit, surtout pas. Ah c'est là. Allez, bim. Moi je rentre. Amok, comment ça me rappelle aussi le Armored Fist sur PC. En char. Je sais plus si c'était le même dev. C'est possible, à l'époque sur PC il y avait énormément de ça aussi, puisqu'il n'y avait pas vraiment de normes de 3D quoi. La norme 3D est surtout arrivée avec Direct 3D. Avant Direct 3D, il y avait Glide de 3DFX, il y avait OpenGL qui existait déjà. Il y avait pas mal de choses, mais il n'y avait pas de normes, c'est-à-dire que les jeux étaient faits un peu dans ce qu'on voulait quoi. D'ailleurs, le raycasting de Doom, c'était un peu ça aussi. C'est le résultat d'une liberté totale de faire des jeux quoi. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de standard pour faire des jeux 3D. Il y avait très peu de jeux 3D, déjà. Et puis, il rendait pas comme aujourd'hui. Quoi. La 3D était vraiment pas là. Quoi. Quand on faisait des jeux 3D, on était un peu aventureux. Je sais pas comment on rentre là-dedans. Ça me rappelle une musique de... C'était qui? C'était 666? Il s'appelait pas 666? Si, hein. Le groupe qui avait fait... Alarma! El ritmo fatal! La bomba! Bomba latina. J'ai dit faire Lopez. 666, hein. Salut Sears! Comment ça va? Il sort du lurk pour de l'Eurodance. Excellent. Comment tu peux pas passer, vraiment? Je comprends pas ce que tu dis. Le jeu vient de me parler, hein. J'ai rien compris. J'ai plus de bombes. Et en fait, il est en train de dire que j'ai plus de missiles, je crois. J'ai déjà dit bonjour en arrivant avec le raid de Ouba. Ah pardon, je suis désolé. Désolé. En tout cas, je viens de check comment chez Armored Fist étaient bien tous les deux édités par Novalgic. C'est vrai qu'ils faisaient souvent ça sur PC. Novalgic, c'est pas ceux qui ont fait MechWarrior, du tout. Ça n'a rien à voir. C'est ceux qui ont fait MechWarrior après. Avant d'être achetés par Microsoft. Je sais pas. Je dis peut-être de la merde. Ah voilà, le truc qui fournit de l'énergie, il est là. Oh là là, je me fais tirer dessus. Donc ça c'est le générateur. On va destroy. Olé, 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 olé. Ça me fait mal ça les gars. Oh. Putain, j'aurais dû faire gaffe, je pensais pas qu'il allait exploser si fort. Bordel. C'est joli hein pour de la Saturne. On dirait même pas un jeu Saturne, tellement c'est classieux. Pas tellement la 3D est différente de d'habitude en fait. Ah
J'ai presque envie de récupérer l'OST du jeu pour faire des musiques de chaîne de vidéos YouTube. Au moins, elles, c'est sûr et certain qu'elles seront pas protégées, je pense. Je suis mort. Je me suis fait tellement défoncer par eux. Je pose une colle, là, je vais aller voir. Passe un bon moment. Bah cool, je suis très content. C'est mon but dans la vie, de vous faire passer un bon moment, donc c'est cool. Je pense pas que j'ai recommencé à zéro, quand même. Mais c'est une violence! Sérieux? On est en 96 et un jeu te crache à la gueule en mode allez! Ah, mais il y a des passwords! C'est la mort! Ah, ouais, c'est la mort! C'est fou ça! Merde. C'est ça les mots de passe, ok d'accord. Correct. Je me mets en hard. Vous allez voir pourquoi. On recommence le jeu. Mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Parce que j'ai pas le choix. On est obligé de gagner avec ce code. Vous inquiétez pas. Bon, Arono, merci pour ce stream, super cool. Je dois partir voir un combat de UFC ce soir. Bah écoute, très bonne soirée à toi, du coup. Et là, du coup, je pense qu'il y a moyen que mon Mister SPGA soit réinitialisé ce soir. Enfin, en tout cas, les réglages. Et pourquoi pas essayer de faire du stream Saturn sur SPGA pour certains jeux. Mais pas tous, hein, parce que tous ne marcheront pas, je pense. Et là, vous allez voir, normalement, si je me fais toucher... Je perds de la vie. Ce qui annule totalement le fait que je suis invincible. Merci en tout cas d'être passé, BJ, et à la prochaine. Non, je vois surtout Dynamics et Activision pour le mec. D'accord. En tout cas, pour les deux premiers. Bon, j'ai juste regardé vite fait. Bah, pas de soucis, écoute. Je pensais que c'était Novalgic parce qu'il faisait énormément de jeux de Simu. Du coup, ça m'aurait pas étonné. Ah, la musique, elle ressemble un peu à Exhumed. Avec les mêmes instruments un peu égyptiens. C'est peut-être le tambour qui fait ça. Le mot de passe n'a pas marché du tout. Mission 0, phase 1. Ça aurait clairement. Comme succès. 40% d'ennemis éliminés. J'en ai éliminé juste un de plus, ça fait 40%. Y a pas beaucoup. Hein. Et là, on va refaire cette mission-là. Moi aussi, je me sauve. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, Ibri. Des bisous. À la prochaine. On fait la deuxième mission. Cette fois, on y arrive, si c'est possible, quand même. Par contre, ma barre rouge se vide. Je sais pas si c'est normal quand on se met en invulnérable, mais bon. Il m'a dit que le mot de passe était passé. Donc... Ah, c'est ça! C'est pas des barrières, ça! Ça, c'est des fils électriques. Et si tu les suis, tu vas forcément au générateur, en fait. C'est logique. C'est juste moi qui suis con. Sur eux. Là, j'achète du bouclier, j'imagine. Je crois que c'est du bouclier, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue du que ça. Ouais, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, Mario. Dirait l'autre. J'adore le rire.
Bonne soirée tout le monde, merci pour ce bon voir et otaku, à bientôt. Merci à toi, David. Et évidemment, tu sais bien qu'ici, il y aura toujours un peu de Panzer Dragoon. Car Panzer Dragoon, c'est la vie. Mon ami. C'est la vie. Mon ami. Et on se tient au courant, bien sûr. Pour la suite de l'histoire. Ah, hors de là. Non, c'est de la vie, ça. Ah, je fonce tête baissée dans les missiles. Ça ne me réussit pas. Spoiler alerte, c'est normal. Je suis un peu con. Ah, on arrive aux zones haute tension, je crois bien. C'est vraiment, vraiment, hein, c'est du bonbon pour les yeux, je trouve, le voxel. Au début, c'est cracra. Et à force de jouer, je trouve ça vraiment stylé. Et je me dis que finalement, ils peuvent faire vraiment des choses infinies avec le voxel. Parce que il me semble que le rendu voxel permet de faire des modèles 3D sans limite. Une fois que c'est converti en voxel... ce qui est rendu à l'écran là, ça peut être extrêmement grand. Quoi. Cette explosion, elle est incroyable. Après, je sais pas s'ils ont polygone infini en mode comme ça, mais il me semblait en tout cas avoir entendu que le voxel permettait une liberté de modèle 3D plus grande que les polygones. S'ils n'étaient pas rendus tout à fait en temps réel, c'était un peu compliqué. Mais je connais pas très très bien le voxel, pour être honnête. Faut que je fasse aussi les simili FPS qui existent sur Mega Drive. Il y avait 2-3. Rust était fait en voxel à la base. Mais du coup, quelle est la différence entre le rendu software? Bah du coup, là, le rendu que vous voyez au sol, il est rendu uniquement par de la puissance brute. C'est-à-dire que c'est c'est comme si les programmeurs du jeu avaient programmé eux-mêmes le rendu de leur jeu, de A à Z. C'est-à-dire, pour dessiner une forme à l'écran, ils disent au processeur, bah tu dois faire ça, ça, ça et ça, tu dois utiliser cette fonction là qu'on a codé nous-mêmes ici, et machin. Et c'est très différent d'utiliser une librairie qui est dans la console. Dans la console, tu dis, appelle cette librairie et fais ce modèle 3D qui est sur le CD. Là c'est différent, là c'est en mode, sur le CD tu trouveras ces modèles là, pour les décoder il faut que tu saches que ça, ça, ça et ça faut faire comme ça, ça, ça et ça faut faire comme ça. Et c'est le processeur qui en prend plein le cul en fait. Du coup, c'est beaucoup plus cher à programmer déjà, parce que c'est pas programmé de base, c'est pas la console qui le gère. Et après, c'est plus cher aussi à afficher, puisque c'est le CPU qui le fait. Sauf que, bah là, sur Saturn, sur du 30 images par seconde au moins. Je pense qu'il en est sur du 30, en vrai. Mais ça rend vachement bien, parce que, bah, vous voyez que ça se comporte plutôt bien. Et en plus, on voit qu'il y a effectivement un manque de couleur dans le rendu, quoi. Du coup, aucune accélération 3D. Après, rien n'est infini. C'est du rendu software, mais un voxel égale un pixel en 3D. Exactement. C'est ça, Yopsolo. C'est bien résumé. Là, pour le coup, ce voxel-là, en tout cas, c'est un pixel égale un pixel en 3D. Sachant que le voxel d'aujourd'hui, maintenant, c'est des cubes qui mettent à la place des pixels. Ça permet d'en afficher beaucoup plus. Le voxel d'aujourd'hui est bien plus avancé que le voxel d'hier. Ce voxel-là, en tout cas. Faut que je retourne là-bas, du coup. Donc les niveaux sont assez vastes. Le clipping est assez élevé. Faut avouer, faut le dire. On voit pas très loin. C'est un peu dommage. Mais on a vraiment un rendu spécial, quoi. Tout à l'heure, on était dans l'eau aussi, hein. C'était assez différent, en plus. On n'avait pas la même ambiance, on n'avait pas les mêmes choses, quoi. Pas le même rendu. Là, on a vraiment un rendu sur Terre. Et on va voir ce qu'on va y avoir dans les prochaines missions, ce qu'on pourra avoir. Et là, on est parti pour faire le jeu, une grosse partie du jeu. Nous voilà dans la base. Ça, il faut le détruire.
Ça, c'est les trucs de communication. Faut destroy. Proceed to rendez-vous point. Ça y est, j'ai fini. Il y avait qu'un seul truc à détruire, il me semblait qu'il y en avait plus. Vraiment, c'est là-bas. Après, rien n'est infini, non, mais infini dans le sens où c'est plus facile de faire des jeux en 3D comme ça que de les faire avec, avec les quads de la Saturn, quoi. Le rendu est moins bon. Je trouve que le rendu est moins bon qu'en voxel. 14% des secrets ont été trouvés. Je pense que c'était la salle avec tous les bicides et toutes les trousses de soins que j'ai trouvées. L'avantage du voxel sur le niveau modélisation. Bah en fait, tu modélises ce que tu veux et t'envoies ce que tu veux, c'est toi qui décides des modèles 3D que t'envoies au jeu. Major escape has occurred in the Aztec prison camp. Ah, il y a des prisonniers qui se sont échappés dans le secteur 12F. Il faut détruire la prison. D'abord, on commence ici. Après, les objectifs sont les suivants. Il faut s'échapper du PAUSE, des infos sur la prison et le système de sécurité de celle-ci. Attention aux mines. Il y a des mines, un champ de mines même. Après, si on n'arrive pas à sauver suffisamment de pauses, il faudra détruire les portes nous-mêmes. Et apparemment, on ne garantit pas ma safety. À quoi ressemble la prison ? Elle ressemble à ça, d'accord. Il faut détruire le générateur. Pour que les barrières de la prison soient neutralisées. Des alliés préparent un raid sur la ville de Losso. Les transporteurs des troupes sont là. Il faut détruire le champ de mine en utilisant des bombes. Et le rendez-vous point, il est juste après. Ok, d'accord. C'est un peu compliqué, hein, l'émission. Jamais bossé avec du voxel, moi non plus. En voxel, tu peux faire des formes très libres. Par exemple, faire des formes concaves avec des polygones en 3D, il faut les décomposer pour les collisions. C'est un peu de la merde. Ah oui, il y a aussi l'histoire des collisions. C'est vrai qu'au niveau gameplay, le voxel, c'est cool parce que ça te permet d'être totalement libre sur les règles que tu définis, évidemment. En voxel, tu peux faire des formes très libres, voire les rendre destructibles plus facilement avec des polygones, ouais. Et j'ai jamais bossé avec du voxel. Il y a un jeu sur Steam qui est entièrement en voxel et qui est vraiment stylé au niveau destruction. Je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, tu peux prendre n'importe quel morceau du monde et le détruire en petits morceaux, en petits cubes. Et il y en a plusieurs des comme ça d'ailleurs, mais il y en a un qui est très connu, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Et il fallait un PC spécial, je crois qu'il fallait un PC RTX, il fallait une carte graphique RTX, un truc comme ça. Ah, c'est marrant ça, c'est des ennemis qui génèrent des ennemis. Ça me rappelle un peu Gauntlet, pour ceux qui l'ont connu. Pour les plus anciens d'entre vous, Gauntlet. J'arrive pas à croire que je cite Gauntlet, ça y est, je fais partie des vieux. Dream sur PS4, c'est du voxel aussi, non ? Je crois que... pas sûr, hein. Je crois pas, hein. Il y a peut-être une dimension chelou dans la modélisation, mais... Oui, le coup de vieux, ouais. Gauntlet, c'est... Dire que Gauntlet, c'est... Enfin, citer Gauntlet comme référence, c'est... Moi, ça me fait mal à mon... Ça me fait mal à ma jeunesse. Clairement. Après, je ne dis pas que vous devriez être pareil, hein. Prison droïde a been deployed. Ah, je crois qu'il y a des droïdes qui sont à ma poursuite. Ah, d'accord. Ça, c'est les prisonniers à rescue. Okay. Ah, ça, c'est des méchants. C'est où ? C'est vous. Too Dark, l'arena est en voxel. Il y a même un éditeur de perso en voxel, effectivement. Je crois qu'on a plus de. On a plus trop de. À cette heure-ci. Il n'y a plus de modérateur, malheureusement. Gauntlet, la pire arnaque packaging. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y avait un éditeur de perso en voxel dans Too Dark, effectivement. C'est juste dommage que le jeu... pour ceux qui ont fait Too Dark, ils comprennent ce que je veux dire, mais... le jeu était prometteur, hein. Il y a même une partie du jeu qui est cool. Mais il manque de substance, quoi. J'ai sauvé pas mal de gens, là, pour l'instant. Alors, attends. Ça, c'est... Ça va tant qu'ils tirent pas sur les prisonniers, ça me va, moi.
Quand j'ai pitché le jeu en live, j'étais à deux doigts du ban. Ah oui. Imagine. Ah d'accord, ça c'est la zone justement électrifiée du truc. Comment je passe là? Je vais pas passer. 4 prisonniers recapturés. Trop de prisonniers ont été recapturés. Ah merde. Ouah, carrément ils ont des tanks roulants quoi. Enfin, des tanks... Tous les tanks sont roulants. Ok, donc ça c'est la clôture électrifiée. Il faut que j'arrive à détruire la délimitation de la clôture électrifiée. Il faut que je trouve du coup le générateur. Et je peux tirer au travers des clôtures. Donc du coup je pourrais le détruire. Par contre je sais pas où il est. Il est là? C'est lui là? Je dirais que c'est lui. Non c'est pas lui. Si c'est lui. Attends. Alors, si j'ai bien compris le briefing de mission, le générateur il est là. Là-bas c'est lui normalement. Je me souviens pas. Je suis pas sûr d'avoir bien compris le briefing alors peut-être. J'aimerais trop avoir un Amiga CD32. Je sais pas si vous. Je sais pas si vous avez remarqué, mais l'Amiga CD32 manque à ma collection. Il est là, hein, le générateur, je suis sûr. Il me semblait, en tout cas. Ah non, ça, c'est l'entrée. Mais attends. Je crois pas. Non, je crois pas. Ça, c'est l'entrée. Ce que je vois là, c'est l'entrée pour moi. La musique, elle est badass. Tempo the badass elephant. Ah bah voilà. Ok, il fallait juste rentrer par la porte, vraiment. C'est bien que depuis le début je me gourre à cause de ça. Il faut juste trouver la source d'énergie. Je sais pas en fait. Pourtant j'ai à peu près lu le briefing, mais j'ai peut-être pas le compris. Ah c'est ça, je suis le point jaune moi. Ok. Bah là-bas, il y a un champ de mine, en tout cas, qu'il faut détruire. Donc on va détruire le champ de mine. Bon, il faut des bombes pour détruire le champ de mine, je sais pas. Ah mais sinon, je peux m'utiliser moi-même, puisque je suis immortel. Salut Catel, le studio au roi du voxel, c'est Novalgique. Comment charmer Red Fist Delta Force? Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Mais intéressant. Merci, merci beaucoup. Cette information, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui interagissent avec le chat et qui parlent des studios qui faisaient beaucoup de voxels, et Novalgique en fait partie. Ce jeu là n'est pas fait par Novalgique, ce jeu là est fait par Dyer. On va laisser le jeu puisque je ne peux pas mourir. Ce jeu est fait par Scavenger. Est fait par Lemon, pardon. Lemon est distribué par Scavenger aux États-Unis et par Koei au Japon. Et la musique est composée par Jesper Kidd, qui a composé notamment. Ah bah, Hitman, Assassin's Creed, Borderlands, Darksiders 2 et State of Decay. C'est marrant ça. La musique a été composée par quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux vidéo ensuite. C'est marrant. Ça alors. Qui l'aurait cru?
Après, la musique était cool. Pourquoi pas? Et là aussi, c'est fermé. Donc ça, c'est la fin de la mission. Il faudrait que j'aille là-bas après. Par contre, je sais plus où est le générateur de la porte. Il me semble qu'il était à l'intérieur de la prison. Du coup, je vois pas comment on fait. Ça, c'est la prison. Ok, donc là, il y a la flèche d'objectif. Est-ce qu'il faut que je tire à l'aveugle comme ça? En blind fire? Je tire en blind fire. Oh mon dieu, Amok, ça fait coma en inversé. Je crois que c'est fait exprès. C'est intéressant, en tout cas, j'avais jamais constaté. Ça fait coma avec une faute, mais... Après, je suis sûr que Amok, ça veut dire quelque chose. Attends. Ah, Amok a commencé comme une démo technique 32X. Du coup, il a été porté sur Saturn quand la 32X a été annulée. C'est fou, le nombre de jeux Saturn, le nombre de jeux 32X qu'on a pas eu et qui aurait été incroyable, je suis sûr. Ça, pour la 32X, ça aurait été fou. Si on avait eu à peu près le même jeu sur 32X, j'aurais trouvé ça dingue. Après, je suis quelqu'un d'assez facilement impressionnable. Moi, la 32X, dès qu'elle sort une image, je suis déjà impressionné. Vu le temps qu'il faut pour tout brancher. En général, la 32X, tu passes plus de temps à brancher tout qu'à y jouer. Mais bon. C'est vraiment méchant. C'est vrai, mais c'est méchant. Mais c'est vrai. Mais c'est méchant. Quelqu'un l'aurait dit, je l'aurais envoyé chier. Mais vu que c'est moi, ça va. Ah, un secret. Nul. Allez, on l'a là. Les nids à scarabée. Ils viennent tout droit de Gauntlet. Par contre, j'arrive pas à voir d'où vient l'électricité. Ah, une flèche! Vous l'avez vu, la flèche? Ah bah voilà. Oh, c'est juste du bonus. Okay. Ah, c'est une flèche qui me donne des... c'est un bonus qui me donne des missiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, exit. Je crois pas qu'il faut que je quitte... qu'il faille que je quitte la map, mais... Parce que là, si je quitte la mission, on est d'accord, ça va me faire game over. J'ai pas envie. Je vous avouerai que j'ai pas envie. J'ai pas envie de tout refaire. J'ai oublié de faire un truc là-haut, non? Est-ce que j'ai pas oublié de faire un truc au nord? Je vais aller au nord. Parce qu'au nord, c'était les gros. Le nord. Voilà. Je vais essayer d'aller voir si là-haut, il n'y avait pas un justement le générateur à détruire. Parce que ça me paraît chelou. Ça chauffe. Chauffe. C'est pas la canicule. C'était un petit peu con d'avoir utilisé ces missiles là, Arnaud. Là? Est-ce que c'est là? C'est là. Hein. On est d'accord. On est bien d'accord. C'est pas le générateur qui est là, mais... Pourquoi c'est pas le générateur qui est là? Ça m'aurait bien aidé. Est-ce que j'ai ouvert les portes de la prison? Ou est-ce que je me suis téléporté dans la prison? Oui, hein. Non, je suis pas téléporté dans la prison. Je suis téléporté quelque part. Mais où? Je ne sais pas. Ouais, je viens d'apprendre que J'espère Kid
avait bossé sur les Verminitide. Ah oui, d'accord. Battle Chaser Nightwar. D'ailleurs, Battle Chaser, il est plutôt sous-coté, je trouve. Battle Chaser sur quoi? C'est un jeu quoi? Ça me dit un truc, mais je sais plus sur quoi ça. En fait, c'était pas là qu'il y avait le générateur. Je vois pas où est le générateur. Il y a un champ de mine là où je vais, c'est sûr et certain. Je vais jouer sur PC, mais il existe sur Switch. Battle Chaser? Ça me dit rien, Battle Chaser. Ça fait tellement générique comme nom. Eh, hey, t'as vu le dernier jeu d'action incroyable sur PC, Battle Chaser? C'est une BD à la base, ouais, d'accord. Ça doit être une vieille BD, du coup. Parce que le nom est vraiment usité, je trouve. Non, ce son, j'arrive pas à voir ce que ça veut dire quand il le dit. Alors, y'a quoi, là? Il n'y a pas un générateur là-dedans? C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est leur couleur à eux, ça. Ok, ça c'est les gentils. On peut plus les choper. Ah d'accord, ils sont en sécurité là où ils sont. Ok, donc ça c'est la zone de sécurité des gentils. Ça c'est mon point de départ du jeu de Dio, il me semble. Là, on récupère quelques missiles. C'est assez répétitif. Salut Catel, comment tu vas? C'est plus ou moins un tactical, on dirait. D'accord. Merci. Et graphiquement, c'est super intéressant, d'accord. Bah écoute, moi, tu sais, dès qu'il y a une bizarrerie, je suis le premier à être intéressé. On se souvient tous que sur 32X, les jeux n'étaient pas fameux. Et qu'un petit jeu comme ça, ça aurait quand même vachement été cool. Ça m'aurait redonné foi. Que Metalhead, par exemple, un jeu que j'aime bien sur 32X, c'est loin d'être un très bon jeu. Mais je l'aime bien parce que c'est un jeu 32X. C'est atroce quand même ce syndrome de Stockholm, de bien aimer une console, juste parce qu'en fait c'était notre console de l'enfance et qu'on l'attendait beaucoup. Alors qu'au final, les jeux dessus étaient pas fous. Sur 32X, y'a quand même pas grand chose de fou à part un portage de Doom qui est meilleur que sur Super NES. Malgré tout. Il aura beau faire saigner toutes les oreilles du monde, je trouve qu'il est quand même meilleur que certains portages moisis du cul faits par Océan, par exemple, sur Super Nintendo. Vous aurez remarqué que j'ai une certaine aigritude avec ce portage. Je pense que tout le monde l'aura compris. Il faudrait vraiment que je vous fasse une petite analyse de la VHS de Doom de Océan. Il y a une VHS qui traîne sur YouTube, mais c'est drôle, putain. Le mec s'auto-congratule d'avoir porté Doom sur Super Nintendo en disant « Un PC coûte 7000 francs, alors qu'une Super Nintendo, 700 francs. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous pouvez enfin jouer à Doom sur Super Nintendo. » Par jouer à Doom sur Super Nintendo, vous voulez dire... Vous êtes sûr de ce que vous dites? On va dire que c'est pas fameux, mais... pas fameux. J'ai l'impression que ça vise le générateur là, non? En super fenêtré. En super FX2, ça s'appelle. Oh. Sois pas mauvaise langue, allons. Ce que tu appelles super FX2, ce que tu appelles super fenêtré, c'est le super FX2 qui le permet. Là, je vise automatiquement quelque chose, et je suis sûr que c'est le générateur. Puisqu'il est là. Alors, je comprends pas trop, la mission est pas très claire. Hein. Ah, d'accord, ça c'est les murs. Je suis en train de détruire des murs. C'est pas ça qu'il faut que je fasse, je crois. Ça, c'est un super fixe 2 pour Doom, ouais. Il fallait au moins ça. Salut Samy-san! T'as vu, on jouait à un des jeux en voxel sur Saturn. Celui-là aussi, hein, il fait partie des jeux, évidemment, que j'avais eu la flemme de graver. Hein. Après, je l'aurais trouvé en réel. Si je le trouve en réel, en PAL, parce qu'il existe en PAL à MOC, je l'aurais acheté. Tout comme j'ai acheté Scorcher,
qui est un autre jeu chelou très peu connu de la Saturne et qui est pas ouf. Doom Voxel, bien envie d'essayer. Sans doute que la SA1 aurait été plus appropriée. La SA1 était beaucoup plus puissante que le Super FX2. Je crois que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes architectures, du coup, je suis pas sûr. Je crois que le S1, c'était plus pour des calculs genre bruts, quoi. Que le Super FX2, il apportait des facilités de programmation en plus. En gros, le Super FX2, c'était une Mega Drive, quoi. Pardon. Je suis désolé. C'était 12 MHz versus 6, un truc comme ça, non? Si je me souviens bien, le Super FX 1 c'était du 6 ou 7 MHz et le Super FX 2 c'était du 12. Peut-être deux fois plus. Après, il y a des gens qui mettent des Super FX 1 avec des cristaux de Super FX 2 dedans. C'est assez intéressant la scène carte mode de la Super Nintendo, puisqu'on pouvait faire ce qu'on voulait avec les cartouches au niveau puissance interne. J'ai toujours un Star Fox 2 d'ailleurs. Pas les mêmes fonctions, mais grosso modo, SA1 dope mieux la console d'Exit. Vitor Villela. Oui, oui, je pense que c'est plus puissant, mais c'est pas les mêmes. Encore une fois, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes. Ça permet pas de faire les mêmes choses. Est-ce que je vais réessayer de détruire la porte? Putain, cette mission, on la finira jamais, quoi. Le SA1, il fait des trucs cool. Ouais. Le SA1, il est dans Mario RPG, mais ça se ressent pas trop, hein, je trouve, moi. Je trouve pas ça très choquant. Ah, on pouvait détruire la porte! Oh là là. En plus, elle était quasiment no life, quoi. Je l'avais déjà bien dégommé, quoi. Putain, c'est terrible. Il y a tout qui est destructible, c'est vraiment classe. S1, il y a Mario RPG et quoi d'autre? D'ailleurs, s'il a trouvé un moyen de faire fonctionner S1 avec le Super FX. Ah bah cool. S1 plus Super FX? C'est vraiment une bonne idée, ça. Je me demande ce que ça fait. Mario RPG, c'est moche de fou. Bah, Mario RPG, c'est Donkey Kong Country, hein. C'est pas beaucoup plus beau, quoi. Du coup, je comprends pas trop pourquoi il a besoin d'un S1. Je crois que c'est pour la protection, le S1, en plus. Les trois quarts du temps. Si je me souviens bien, ça faisait surtout marcher. Oh ! Incroyable. Regardez cette 3D comme elle est belle. Une texture qui warp un peu. Qui warp moins que sur PlayStation, mais qui warp. Évidemment. Ouais, du coup, c'était ça, Mario RPG. Ah, j'ai des bombes. Pour le champ de mine de tout à l'heure, là, comme on en parlait tout à l'heure. En tout cas, Mario RPG, il a tenu longtemps face aux adaptateurs, parce qu'on pouvait pas y jouer pendant très longtemps. Hein. Je trouve que le jeu est très très gros. Ah, et du coup, il compresse alors. Ça devait être de la compression. S'il est gros, le jeu. Si c'est un problème que le jeu est gros, ça doit être ça alors. Il doit décompresser un peu comme... Mais c'est pas un S1 dans Street Fighter Alpha 2? Ou c'est une puce spéciale Capcom? Je sais jamais. Alors les bombes, on les utilise avec Z, il me semble. Je viens de trouver comment balancer une bombe. Les bombes, où est-ce qu'on les balance? Ça, c'est la sortie. Et du coup, le champ de mine, il est pas détruit, là? Elles sont où, les mines? Parce que je les ai tuées en roulant dessus, moi. Le SA compresse, mais comme le jeu est gros, la console n'arrive pas à gérer comme on compte. SDD1. Ah oui, d'accord, c'est SDD1. C'est une puce séparée qui a rien à voir. J'étais parti pour faire des vidéos sur chaque puce de la console de la Super NES à l'époque où j'étais au chômage et où j'avais ma chaîne YouTube. Mais j'ai arrêté, parce que je suis plus au chômage et j'ai plus le temps. C'est dommage parce que c'était vraiment enrichissant d'apprendre tout ça. Après, je crois que j'avais quand même fait une vidéo qui récapitulait un peu les puces. Où j'avais fait un truc ou un article, peut-être. Sur Twitch. Sur Twitter. Bah, yeah. C'est marrant le lens flare transparent. Là. Au milieu du bordel qu'est le voxel, quand tu vois de la transparence moche, c'est presque pas choquant.
Je pense que ce jeu-là en composite, il doit être cool. Ça y est, c'est bon, j'ai gagné. Maintenant, je peux partir. Non, petit robot comme il court. Ça rappelle un peu Star Fox 2, hein, d'ailleurs, ce petit robot-là. Je trouve. Mission 1, phase 2. Les explosions doivent être super en composite, effectivement. Ennemi terminalité de 30%. Secret Farm 6%. Outcome. Success. C'est qui le meilleur? C'est Nono. Ouh. Mission 2, phase 1. Dans la ville de Losso, les alliés préparent un raid sur un dépôt. Ils ont des difficultés. Entrez et supportez le raid. Votre but dans cette mission... Ça rappelle toujours Thunderhawk. Thunderhawk avec ses briefings en français et en voixifié, c'est tellement cool. Il y a deux Kirby qui utilisent le SA1. Le reste, c'est anecdotique. Il y en a une vingtaine. Et du coup, les Kirby, c'est pareil, ils sont uniquement protégés, en fait. Au-delà de la protection, il ne sert à rien, le SA1, là-dedans. J'ai l'impression. J'ai vraiment cette impression que c'est surtout une puce de protection qu'une puce de performance. C'est dommage. Initiate. Évidemment, je n'ai rien lu au briefing. Ça va être très drôle, je pense. On va... Oh putain, il y a une ville. Oh, c'est trop classe. Ah, j'adore. J'adore ce genre de décor, putain. Les décors urbains, c'est tellement beau. Dans les jeux, en général, j'aime mieux dans les villes. Oh, faut que je fasse Space... Un jeu sur PlayStation 1. Colony Wars. Faut que je fasse Colony Wars. Je l'ai acheté à un mec du boulot. À un collègue. De travail. Et je vais bientôt avoir plein de magazines aussi. Enfin, ça va être trop bien, ça. J'avais oublié. Mais en septembre-octobre, je risque d'avoir plein de magazines Génération 4 et Joypad et tout ça. On pourra lire les jeux de notre enfance. Mais en vrai. Ah oui, je vous ai dit que j'avais ma playdate. Que ma playdate, elle était en cours d'arrivage. Elle est partie des États-Unis, ça y est. Elle est en Californie, là. Et elle est en train de quitter le territoire. Je suis trop heureux. Trop refait, comme disent les jeunes. Et voilà. Je voulais vous en parler parce que bah, vous êtes des gens importants quand même. Vous êtes mes viewers. Sans vous, je pourrais pas faire le pitre sur Twitch. Faire le pitre, est-ce que c'est pas la pire expression? Bizarrement associée à G-Police et Future Cop LAPD dans ma tête. Les G-Police et Colony Wars sont sortis en même temps par deux créateurs de jeux vidéo vraiment très beaux. Et je crois que G-Police c'est Psygnosis, si je me trompe pas, ou un truc comme ça. Yeah! Bou-ba-tendo vient de re-support de moi. Ah, il y a deux tirets. Amoureuse, amoureux, Ogi CR Sega. Ah, c'est agressif. Merci beaucoup, Boutendo. Merci beaucoup. Bou-ba-tendo. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Merci pour ton Prime, évidemment. Pour le soutien, c'est toujours cool. Ça me permet d'avancer et d'être content de vous faire du contenu. G-Police et Psygnosis, ça fait 20 ans qu'on attend que Sony se décide à ressortir son catalogue qui est essentiellement micro en plus. C'est vrai. C'est vrai que Psygnosis c'était essentiellement micro. Ouais. Ah, j'ai déclenché les mines, c'est trop bien. Ce jeu est vraiment bien hein, en vérité. Tout le monde est passé à côté, mais il est vraiment pas mauvais. Ah, la musique, c'est violent. Y'a que moi qui trouve que la musique elle est trop bien. Une mine. Une grosse mine. Qui pourra. Ça c'est des... D'accord. Je croyais que c'était des mines, mais non, c'est des bombes. G-Police, il faut que je le retrouve aussi. Hein. Il était cool. Mais Colony Wars, j'ai pu l'avoir pour pas cher rapidement. Donc, j'ai sauté dessus. Et je vais avoir une console éclatée au sol, mais ça je vous en dis pas plus parce que ça va être la surprise. Mais préparez-vous à des streams, peut-être en sub-goal d'ailleurs, des streams émulation Mega Drive de qualité.
Regardons la démo de G-Police sur PC. Il y avait la démo de G-Police sur je sais plus quel magazine aussi. Hein. PlayStation Magazine avait sûrement filé une démo de G-Police parce que je me souviens y avoir joué. Et il me semble même, si je me trompe pas, que dans cette démo on pouvait filmer le vaisseau. On pouvait diriger le vaisseau avec une caméra chelou, une caméra cinématique qui filmait le vaisseau qui se déplaçait dans la ville. Et ça c'était vraiment, à l'époque c'était assez choquant parce que le jeu était vraiment très beau pour de la Play 1. La 3D était vraiment propre. Et les déplacements comme ça des vaisseaux, du vaisseau étaient vraiment hypnotisants tellement c'était propre et beau. C'était agréable à regarder. G-Police était vraiment bien. J'ai kiffé Drakam sur PC. Je sais pas ce que ça donne. Je connais pas. Je peux regarder. Ah, le mec balance des roquettes. Ils sont sur des tours. C'est vraiment marrant. C'est classe ces lampadaires là. Vous pouvez changer la caméra pour se perdre encore plus dans les commandes. Mais je me souviens que c'était assez compliqué parce qu'il y avait tous les LR qui servaient à se déplacer, il me semble. Et t'accélérais ou c'était avant? Je crois que c'était beaucoup encore plus compliqué que l'hélicoptère dans GTA, quoi. C'est genre... l'hélicoptère dans GTA, c'est trop bien, parce que c'est assez clair, je trouve. Mais je me souviens que G-Police, c'était assez chiant à manier au début. Puis après, quand tu savais manier, c'était classe. Puis t'avais des espèces de traînées qui sortaient des échappements qui étaient cool aussi. Globalement, il était bien. Hein. Le joystick demande un petit apprentissage quand même. Bah, je crois que j'y jouais pas en analogique. Comme les jeux de voiture à l'époque où tu pouvais doser l'accélérateur avec le deuxième stick, je faisais jamais ça. Moi. Je trouvais ça vraiment trop compliqué. Alors attendez, il faut que j'aille tout là-bas. Voilà, on va essayer d'aller là-bas. Ça a l'air assez compliqué comme ça. En même temps, la minimap est bien faite, je sais pas pourquoi je la regarde pas. Ah, c'est moi. On est sur Saturne ce soir, on est sur Amok, un jeu inhabituel. Comment va Seima, tirer du bas, tirer du bas? Sache que Bou, tirer du bas, Dendo est là. Et que vous êtes les deux de la famille tirer du bas, tirer du bas. Les musiques sont cool. Il a changé Panzer Dragon's Way. C'est pas écrit Panzer Dragon's Way. C'est plus écrit. Amo! Et Amok? C'est comme Amo, mais avec deux lettres différentes. Ça, on se le dit pas assez. C'est très sombre. C'est beaucoup trop sombre. On va changer ça, c'est trop sombre. Et c'est trop sombre. Voilà qui va mieux. Je mets le gamma plus fort pour voir mieux. Car je suis trop vieux pour ces conneries. Et aussi, vous avez pas 3 milliards de watts équivalents en LED dans la gueule. Hein. Moi, je les ai. On s'en rend pas compte. Mais je suis irradié de LED en ce moment. T'as annoncé de meilleures choses sur Rai. J'ai annoncé. Ah oui, j'avais annoncé. Ah, il y a un cooldown sur le Mr. Bones. Il y a un cooldown sur beaucoup de récompenses pour éviter de spam. C'est logique. Et ton contenu nous tirait vers le haut. Ah, c'est rigolo. C'est bien, c'est très drôle. C'est très bon, ça. Il manque plus que les petits voice-over de Pisuke avec les émotes, et c'est bon. Argent dans le... Argent dans le... dans les yeux et la bouche. Oh là là! Utilisation de la bombe parfaite, quoi. Regardez, incroyable. C'est peu crédible. Ah bah tiens, là je vais en avoir besoin pour de vrai, du coup. Faudrait que je regarde le Chaos Control s'il est vraiment si désastreux. Vous vous souvenez de Chaos Control sur CDI, un shoot'em up en FMV? Je l'avais fait, et j'avais appris que la version PlayStation et Saturn existaient aussi avec des vidéos de mauvaise qualité dedans. Et du coup je me tâte à l'essayer quand même, parce que pour aggraver c'est chiant quand même. Haru le vilain qui stream de la Saturn sans prévenir et le soir. Je suis pas dispo, je note. Je m'en souviens, hélas. Chaos Control, il était pas mauvais. Sur CD, il était pas mauvais. Merci pour le Asaima. Après, c'est un stream à l'arrache. Hein. Comme j'avais dit, je laisserai pas la rediff parce que je suis en train de jouer à des jeux.
genre Zvai, surtout. Alors que je vais les traiter mieux après, quoi. Et je vais essayer de passer les niveaux, surtout, parce que c'est pas facile, Zvai, en vrai. Il me semblait qu'il était plus facile que ça, Zvai. Mais c'est toujours un plaisir de te voir sur les streams, Sayuma. Toujours la sagesse et l'apport de la petite info qui tue. On a un peu regardé le voxel, comment ça fonctionnait auparavant. Avant Amok et avant la déferlante des jeux PC comme Comanche et tout et tout. Et c'est vachement intéressant de regarder un peu ce qui se faisait avant. Quoi. Je pense que les gens ne se renseignent pas assez sur ce qui se faisait avant. J'essaie de combler ce manque. Après, on a quand même dans la commu des gens qui connaissent. Ça, c'est cool. J'espère vraiment que ma commu sera toujours comme ça. Sera toujours une commu connaissante. Pour pas que je sois le seul à apporter quelque chose. Quoi. Nous sachons. Exactement. Vous sachez. On peut pas sauter, c'est marrant ça, qu'ils aient pas mis de saut sur ce jeu. What? Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous, madame? La reine des neiges. La dame des neiges, pardon. C'est Nana Mouskouri qui dit ça à Dorothée. On dirait une blague. Alors, c'est Nana Mouskouri et Dorothée qui se retrouvent dans un bus. Non, en vrai, si vous tapez l'enfant au tambour, chanté par Dorothée, vous avez le crossover d'enfance le plus improbable, auquel moi j'ai pas assisté étant petit. Mais Nana Mouskouri et Dorothée se sont retrouvés sur une scène un jour. Vous verrez sur YouTube, on trouve facilement l'enfant au tambour. Putain. C'est le upgrade d'armes, ça. Je reconnais. Je crois que c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah, le exit marche pas. Ok. Donc il faut bien finir la mission. On peut pas faire un game over en allant à la sortie avant la fin de la mission. Ça, c'est cool. Vous voulez qu'on enchaîne sur un dernier jeu avant la fin du stream? Je sais plus ce que j'ai sur la carte SD. Je sais plus trop. Enfin, je regarde ce que j'ai. J'aimerais bien que mon GDMU fonctionne, putain. Je sais pas sur quoi on pourra enchaîner. Vous avez des jeux Saturn que vous connaissez et vous aimez bien? Moi, oh là là, elle galère comme la 4G. Même en 360p, j'ai du lag. Ah bah oui, j'étais sur la DSL, ça marche moins bien. C'est ton ADSL qui galère plus que la 4G. Enfin, c'est chaud. Est-ce que vous avez un jeu Saturn que vous voulez voir qui nous ferait passer un peu de temps? Parce qu'on va pas mettre un jeu qui dure 5 secondes, quoi. J'aurais bien aimé essayer... c'est quoi Ochan no Oekaki? Est-ce que c'est safe for work, ça? Est-ce que c'est safe for stream, ça? Ochan. Ça me fait peur. Saturn. Story of Thor 2. Ah, c'est un Picross. Ochan no Oekaki, logique. C'est un Picross sur Saturn. Oh putain, mais alors, en fait, c'est bon. J'ai trouvé le jeu. Merci. Saturn, j'ai jamais vu de stream de Burning Rangers. Le problème de Burning Rangers et pourquoi je le fais plus en stream, c'est parce qu'en fait, le tuto est très long. Le tuto est très chiant. Ouais. Et je vais voir à quoi il ressemble sans rewind, Buddy. Ah, la violence. Oh là 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 là, le tacle à la jugulaire tellement violent de Seima. On reconnaît bien là le style de la team tirer du bas. Brady ne s'est pas relevé de cette attaque. Rockman 8, Metal Heroes. Rockman 8, ça sera peut-être intéressant en fait. C'est musique, c'est des bangers quoi. J'ai Riven aussi à tester. J'ai tellement de trucs à tester sur Saturn maintenant que je peux ne pas graver. Rockman n'est pas là. Je trouve pas Rockman.
Rise 2 Résurrection, Rise of the Robot 2, putain. Non, t'en vas pas, Brady, il plaisante, oh là là. Cela dit, on va faire Ochan no Okegaki, je pense. Je sais pas, en fait. Reste. Le temps va pas. Burning Rangers, ça me... C'est quoi ? C'est ce qu'on va faire. On va faire un truc. On va faire Burning Rangers. Bien parce que c'est toi, en japonais, on va le faire. Pour avoir les voix japonaises. Et il est où ? J'suis sûr qu'il y est. Ah bah non, en USA on va le faire, je suis désolé. Est-ce qu'il y avait les voix japonaises en japonais ? Ouais. Attends. Et grâce à cet accessoire de fou que l'on nomme la carte mémoire Saturne, et ben on va pouvoir récupérer ma sauvegarde. On va pouvoir récupérer ma sauvegarde et on va pouvoir jouer à Burning Rangers plus loin. Bon, d'accord, mais je boude quand même. Tu as le droit de bouder. Tu as la permission de bouder. Permis de bouder. Tu peux faire du boudin. Ah, ça télécharge pas vite, ça y est. Yeah! Sema-ba-ba vient de resupport 11 mois. Amoureuse amoureux profite bien tant que je suis abonné à Amazon Prime Argent dans les yeux et la bouche, et dans le cucu du maître céréalier. Par contre, c'est chiant, hein, vraiment. Je suis désolé, mais les récompenses en boucle, c'est pas le plus amusant. Très drôle, dans le cucu du maître céréalier. C'est pas très bon. D'ailleurs, je l'avais fait sur ma Saturn Story of Thor 2, j'ai pas rewind. Tu l'as fini ? Ah, mais quel courage il faut ! Moi, je l'ai trouvé nul. J'ai vraiment trouvé pas bien, hein, Story of Thor 2. Même si j'admirais le fait que t'y joues, parce que c'était un jeu Saturn, en fait. Et que c'était un jeu pas connu Saturn. Enfin, pas connu. Peu de gens le stream parce qu'il est chiant, je trouve. Et après, j'avais pas aimé le premier non plus, donc je sais pas. Profite bien tant que je suis abonné à Amazon Prime. Argent dans les yeux et la bouche, et dans le cucu du maître céréalier. Il se met de l'argent dans le cul. Il est beaucoup moins bien que le premier. Bah le premier j'ai pas aimé moi. Donc je sais pas. Pour moi ils sont équivalents. Pardon. Pardon. Je suis désolé. J'arrête. Au moins on va se taper au moins l'intro de Burning Rangers. Au pire on fait le tuto. C'est pas non plus la fin du monde. Mais j'avoue que si je peux charger ma sauvegarde, ça m'arrange. Parce que... Pff, les tutos qu'ils ont fait dans Burning Rangers, tu sens que c'est les années 90 et ils veulent aider les joueurs, quoi. Ils essayent d'aider les joueurs. C'est une marmotte sur ta casquette ? Oui, c'est une marmotte. C'est une loutre. Au travail, quelqu'un me saoule. Me saoule. En disant... Ouais, c'est une loutre. À chaque fois que je lui montre un capybara, il fait... Bah quoi, c'est une loutre ? Et du coup, j'ai envie de taper. J'ai vraiment envie de taper. Je sais pas si on peut avoir vraiment une permission, une dérogation pour frapper ses collègues au travail. Mais là, j'ai envie. Je l'ai bossé au travail, pas qu'en stream. Non, c'est que je lui montre des images de capybara. Parce que j'aime bien partager ma passion. Bon, télé-rétro, amok, on va changer le title pour mettre Banning, Ranjul. Un petit peu de Knights, justement, le Knights qui annonce
le Burning Rangers. Oula, par contre, le gamma est pété. Puisque tout à l'heure, on n'avait pas assez de gamma, maintenant on en a trop. On est le 2 janvier 94, souvenez-vous. Faut en voir pour confondre les loutres et les capis. Oh là là. Je la mets pas au travail, mais j'ai peur de la mettre trop parce qu'elle commence un peu à se péter sur les côtés. J'y vais, à la bonne soirée à tous. Bonne soirée, Obsolo. Merci d'être passé, à la prochaine. Surtout, en vrai, le capi, il doit faire une dizaine de loutres de haut. Oui, c'est le plus gros rongeur du monde. Ne l'oublions pas. Burning Rangers. Juste pour l'intro, je vais vous la mettre en pleine. En tout cas, je vais vous la mettre. L'intro. Et je pense que je vais la mettre à plein poumon, à plein volume, histoire d'être bien, voilà. Ah ben on va la voir en anglais par contre, je suis désolé. Je sais à quel point ça vous embête. Mais ça va être en anglais, je suis désolé. Est-ce que le premier écran n'est pas en haute résolution? Si, hein. Du coup il est pas affiché, c'est pas très grave. C'est le Sonic Team. Et après c'est la vidéo. A speedy second. C'est vrai qu'il y a toujours cette faute. Treasure de life. Alors, je suis extrêmement heureux d'entendre ça, parce que je suis en train de me dire que c'est pas mon jeu qui est rayé. DJ Fenrir au platine. Les rangers qui brûlent. Exactement. C'est les rangers qui brûlent. C'est eux-mêmes. Les rangers brûlés, peut-être. Ah non, Burning, c'est qui brûle. Et c'est intéressant. Ce qu'on vient de voir là, est-ce que c'est pas le 50 Hz, est-ce que c'est pas le 60 Hz PAL qui fait ça là, le PAL 60, ça s'en dirait. Est-ce que tu peux enlever ton OSD de merde, le SSC? Ah, j'ai une sauvegarde que je peux charger, donc déjà on va pas se taper le tuto. I'll be there. I'll be there. Et ça c'est cool. Go, go. Ouais, ça serait intéressant que ma débile soit là, mais il est plus là, je pense. Ça ressemble beaucoup à un problème de synchro 50-60. Bah pas 50-60, puisque je suis en 60, mais plutôt pas le 60-60. Moi, j'imagine c'est ça. Mais oui, c'est ça, Erax, je pense. Mais ça me rassure sur l'état de mes CD. Du coup, putain, j'ai presque envie de mettre le Fenrir sur une console, sur ma console Jap, quoi. À deux doigts de le faire, hein. Parce que ma console Jap, elle est un vrai 60, quoi. En même temps, je l'ai le jeu, donc quelque part, est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûr. Vu que j'ai le jeu en original, je pourrais le faire marcher sur ma console. Où est-ce qu'on choisit les niveaux? J'ai le même problème sur les Jap traduites en FR qui passent sur des consoles PAL. Sur SNES. Ah, sur SNES? Ah! Intéressant, parce que c'est pas du tout la même chose au niveau musique, mais ok. Ah, et là, on est passé en résolution plus basse, non? Ah non, je pense pas, même pas. C'est incroyable la qualité d'image, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte du bordel, mais là, moi, ça me bute, hein. Ça me bute. Ça saute à peine, ça saute. Je sais pas ce qu'elle a dit. Elle a l'air très heureuse. Et bah pas mission, hein.
Ah si, mission 1, c'est bon. Tant qu'on fait pas training mission, ça va. Voix digit codée en hard, bégaye en 50 Hz. Ah ! Bah sauf sur la version PAL. La version PAL a pas ce problème, du coup. Sur Bust Groove, le fameux problème de Bust Groove. Après, c'est vraiment chelou cette histoire, parce que Ozaki, il a pas le problème sur sa console. Sur sa PlayStation. Du coup, c'est bizarre. J'arrive pas à m'expliquer ce truc. Vraiment. Chris, to all Rangers. The energy core temperature is reaching dangerous levels. Reports confirm that workers are still trapped inside. Rangers report to the emergency staging area for immediate transport. Show and Big, take point and contain the spread of the fire for the rescue team. Roger. Tillis agreed, proceed to the control room located underground in basement level number 1. Pause. Pause. Après, une fois que la pause est faite, on fait ses dingues. Et on est en 320. C'est net. Est-ce que c'est net? Et maintenant, il faut prier pour ne pas avoir besoin de retourner au menu principal du jeu, sinon c'est la merde. Salut Ayers Green. Du coup, Amok, un jeu intéressant sur Sega Saturn. Le meilleur jeu de pompier sur Sega Saturn. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurais eu des titres de stream à rigodrôle jusqu'à la fin. Ah, mais il y a tous les sons qui buguent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le Fenrir arrive pas à faire marcher Burning Ranger correctement. Tous les sons bug. Non ? C'est moi ou tous les sons déconnent ? Ah non, les voix bégayent pas là, c'est bon. Tillis, get going through that door. The fire is spreading faster than I thought. Tillis, I'm here to save you. Hold on. Hold on. Pourquoi je me suis mis comme ça? I'm scared. Je suis un peu con. Stay calm, you'll be fine. 10 cristal, total 10 cristal. Bonus 1. C'est Richard Wells que j'ai balancé. La belle transparence. Vous aimez la belle transparence? Mangez-en. À chaque fois, ça me fait penser à Gun Valkyrie de ouf, hein, quand même. Pour ceux qui ont fait Gun Valkyrie sur la première Xbox, et qui est rétro-compatible hein, depuis peu d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, si vous avez une Xbox et que vous voulez jouer à Gun Valkyrie, vous avez qu'à vous le procurer d'occasion à 30 balles, et vous pourrez y jouer. Je crois qu'il vaut pas très cher en vrai Gun Valkyrie. Donc là c'est marrant cette mécanique, parce que quand vous entendez le... ça veut dire qu'il va y avoir une explosion de flamme. Et si vous mettez à ce moment précis le stick à l'opposé de là où vous allez, quelle que soit la direction où vous allez, si vous inversez la direction du stick, ça fait sauter le ranger en arrière. Vraiment dommage qu'il n'ait pas eu de suite ce jeu. Il y avait un concept vraiment différent. Et ouais. Ah oui, il y a un bug de son là. Encore. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas fait ça. Bah il y a les flammes. Il y a des bugs de son. Sur la version Fenrir, alors je sais pas si c'est connu, mais j'espère que personne se dit que Burning Rangers marche parfaitement sur le Fenrir, parce que c'est pas le cas. Quand t'entends un son de cristal qui dure une heure, il y a un problème. Enfin une heure, j'exagère. Pourtant c'est pas mon genre. C'est dommage hein, que le projet Burning Rangers sur Unity là, ce soit pas allé plus loin. J'aurais vraiment aimé que ces gars le fassent. Ah! J'ai des problèmes de direction, non? J'aurais peut-être scié la direction! Waouh! C'est beau. Ces passages sont tellement beaux. Looks like the shutter won't budge. There should be an emergency override switch nearby. Try locating it. Banning Ranjuru. Ah oui, la coupure de courant va arriver là. Si je me souviens bien. Reed, speed machine has been destroyed. I've secured this area. Rangers, use extreme caution. Go around.
Ah, incroyable cette salle. C'est une des plus grandes. Elle rame un peu. Mais en vrai, elle devrait plus ramer que ça. Avant une suite, s'il pouvait juste le ressortir. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas si t'avais suivi un peu l'histoire de la version Unity qui avait été faite. Il y a un mec qui a pris Unity. Il a mis tout le... Il a pris tout le source code du jeu qu'il a réinterprété. En fait, il a utilisé Ghidra, qui est un outil de décompilation de code. C'est-à-dire que tu mets un exécutable dans Ghidra, par exemple, et il va analyser le code et il va en déduire que le code est fait d'une certaine manière, une certaine architecture. Et du coup, il l'a fait pour Burning Rangers. Il a réussi à voir quasiment les sources du jeu, quoi. Enfin, l'équivalent des sources du jeu. Et avec les sources du jeu, il a réécrit dans Unity les lignes de code exactement comme celles du jeu. Il les a réécrites, c'est important, il les a pas copié-collé. Et du coup, après, il a dit, à partir de maintenant, Unity, tu vas exécuter Burning Rangers avec les données du disque Saturn. Donc si tu mettais ton disque Saturn dans ton PC et que tu lançais le jeu sur Unity, bah, le jeu marchait. Et il était légal, puisqu'il n'y avait pas de code Sega dedans. Et ça lisait que les données du disque, ça lisait pas le code du jeu. Il l'a rétro-engineeré, mais c'est ça, il l'a rétro-engineeré. Il l'a pas émulé, quoi, du coup. C'était vraiment le code du jeu, l'équivalent du code du jeu qui tournait, et les données du jeu réel qui tournaient. Donc les textures étaient filtered, hein, bien sûr. Enfin, il y avait tout l'avantage des jeux modernes. Et sur PC, quoi. Et sur Unity, qui a un moteur extrêmement versatile et qui permet de porter sur tout, sur Switch notamment. Je sais que, clairement, un Burning Rangers sur ce Burning Rangers remaster sur Switch, avec les nouveaux contrôles ou des trucs un peu mieux, c'est en Jap, il est pas donné. En Jap, il est cher en Europe, en Jap, mais au Japon, il vaut pas très cher, il vaut 20 balles, je crois. Enfin, ça dépend ce que t'appelles cher, après 20 balles, c'est pas... Pour un jeu Saturn, ça va. Ah, coupure de courant. C'est l'occasion de voir que la Saturn gère beaucoup mieux l'éclairage temps réel que la PlayStation, puisqu'elle affiche des quads gérés par un processeur qui les gère en 2D, comme si c'était des trucs en 2D mais appliqués en 3D avec des étirements. Et bah du coup, il y a juste à dire, cette image-là, je veux plus de lumière de ce côté-là, et du coup... À force de faire ça sur tous les coins de l'image, et ben ça permet d'avoir des rendus comme celui-là. En gros, ça rend quand même sacrément bien, je trouve. La Saturn, quand la Saturn est bien utilisée, c'est dingue. De 40-50 dans mon souvenir, ah, d'accord. Alors, le seul sur Mercari, il est à 10K. 100 euros. Ah, merde alors. Bon bah moi je l'ai payé 20 balles le mien. Après, je l'ai acheté dans un lot avec Mr. Bones et je sais pas quoi, et j'ai payé 100 euros le lot. Mais Mr. Bones, il est cher, pour le coup, lui. Je sais qu'il est très cher. Il n'y a pas que Mr. Bones, hein, il y avait d'autres jeux. Il y a plein de jeux en double, d'ailleurs. Mon Burning Rangers, mais je l'ai eu dans le lot à 120, de toute façon, mon Burning Rangers. Souvenez-vous, le fameux lot Hachette, c'est là que le même Hachette est né, et que j'ai fini par l'acheter, ce lot, putain. Je le regrette pas. C'était le lot où il y avait la manette 3D avec le pack Knight. Ah, go back to where you start. Ah, je suis en train de me tromper d'endroit où aller. Donc là, le jeu me dit, tu peux te dépêcher, s'il te plaît? Sinon, je te balance des milliers d'explosions à la suite, comme je suis en train de le faire là. Parce que le jeu est pas très agréable. Le jeu est méchant. Par où faut que j'aille, là, en fait? Ah, c'est là. Peut-être que ça valait pas beaucoup avant. Bah, du coup, ça a dû augmenter il n'y a pas très longtemps, effectivement. Il y a un gros bug de son. J'ai l'impression quand même qu'il y a des gros bugs de son au niveau des items. Après, il y a Fireman, hein, qui est excellent aussi sur Super NES. Si vous voulez un bon jeu de pompier, Fireman. Roscoe McQueen qui était très moyen mais intéressant. Intéressant par certains points, mais ça reste vraiment. Il coûte rien après. Donc, c'est toujours rigolo d'avoir des jeux de pompiers, moi je trouve. Donc, moi je suis un grand fan de jeux de pompiers. C'est pour ça que j'adore Burning Rangers. En plus.
Bon, straight. On va pas s'occuper de ce qu'il y a en bas pour nous. Right. Et là, vous voyez, le voice control, c'est... Le voice control est vraiment cool. Vraiment, tout le jeu peut se faire comme ça, en fait. Ah, Pisuke, salut, comment ça va? Il est là? Oui, salut Pisuke, comment tu vas? Il est à moins de 5 kilo yens sur Yahoo Auction en achat immédiat. Ah, voilà. Hello. Fireman SNES, il est un petit peu coté. Fireman sur SNES, il est coté. Au Japon, il est coté aussi, malheureusement. Haru, il aime bien les pompiers. J'aime bien les pompiers. Si les gens voyaient mon personnage sur Saints Row, j'espère ne jamais faire de live Saints Row, parce que si vous voyez mon personnage, je pense que vous aurez vraiment des images bizarres de moi. J'aurais une bien piètre opinion de moi-même. Ah, je vais la sauver, hein. Ça va m'éviter de mourir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça me... Ouais, t'es un peu dramatique, mes mères, hein. Okay, calme. Just relax. Même si ça n'arrivait qu'à toi, alors que moi aussi, hein, je suis dans la merde. Fireman sur SNES, il est cool. Hein. Je me souviens l'avoir fait d'ailleurs en stream, il faudrait que je le refasse. Pour la presse, parce qu'on n'avait pas lu les tests à l'époque, il me semble. Ou alors on avait lu les tests et je crois que c'est là qu'ils avaient dit le Zelda des pompiers, je sais pas quoi. Au secours. Venez me chercher. Le Zelda des pompiers. Et où est donc la grande échelle, n'est-ce pas? Et où est donc la grande échelle? Ah! Je suis pas censé pouvoir me raccrocher à ça? Bah, Roger, Roger! Raxema R. 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 Grun, ah, d'accord. Et Aruno. Ça va bien et toi? Bah, moi ça va, écoute. Ça va, ça va. Fatigué, ça va. Voilà. Voilà. J'utilise pas assez mes nouveaux sons là. Ça m'embête. Elle avait dit quoi la dame? Parce que je comprends pas pourquoi la porte est toujours pas ouverte là-haut. Je peux pas aller là. Ah, c'est là-bas. Ok, donc il faut retourner là-bas. Left. There. Left. Okay. Et voilà. Doctor, doctor. Pour ça que je l'aime. En vrai, j'arriverai pas trop à le définir, Burning Rangers, il est très spécial, c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'on a fait des tuyaux. Et aussi la grande échelle. Ah, Rudy Stel. Ah ouais. C'est Sacha Distel qui a chanté ça. C'est pour ça que je l'aime. Salut Aganeren, bienvenue sur le stream. Mais est-ce que tu considères que Burning Rangers est un boss rush? Puisque au final, chaque niveau ne mène qu'à un boss. Et les boss sont quand même vachement plus riches que le niveau. Quelqu'un le canard furtif. Faut qu'il regarde la nouvelle série de pompiers sur Netflix alors. Exactement. C'est Sacha Distel, l'incendie à Rio. Oh là là. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez dégueulasse et que je vais faire un truc que personne n'a jamais fait sur un stream. Je crois que personne n'a fait ça sur un stream Burning Rangers. Déjà que les streams Burning Rangers, il n'y en a pas. À l'incendie à Rio, c'est marrant parce qu'il y a marqué qu'apparemment ça s'appellerait les tuyaux. L'incendie à Rio, d'accord, tu as raison. Désolé pour ceux qui viennent d'avoir un infarctus, qui viennent d'avoir une crise cardiaque. Ah bah tout de suite c'est mieux, non? En pleine nuit, une sirène. Appel au feu, tous les pompiers. Je suis pas sûr que tu veux pas me voir répondre, mais... Peggy 18, comme les pompiers. Comment ça? Ça colle parfaitement. Est-ce
Malgré la musique, ah oui, j'entends quand même le pshiu. Enfin, j'ai le son du jeu beaucoup plus fort que vous. Ah merde. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ça c'est quand le jeu en a marre. Il en a marre de me voir galérer le jeu. Bah j'ai touché une conduite de gaz, comme tu viens de le voir. Par contre je sais plus où il faut aller. C'est terrible ce que je fais. C'est juste pour pas faire des raids à 25, parce que vous savez qu'un raid à 25 ça veut dire Recalbox. Vous avez compris maintenant pourquoi je sabote mes streams. Rien à voir avec mon talent. Par là. Ah, c'est par là. There should be a switch nearby. Par contre, c'est pas là, je pense que c'était en haut. C'était pas en haut. Si, c'était en haut. Par contre, on arrête, s'il vous plaît. Parce que bon, ça commence à bien foutre. Merci. On va pas se taper toute sa chaîne d'Estel. Pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? C'était pas en haut? Je comprends pas du tout où il faut que j'aille. Je suis censé avoir un interrupteur ici? Waouh! C'est wild! Attends, mais. Show it's dangerous. Stay back. No way, people are still out there. Find another route then. Remember, don't just rush into things. Donc là, faut que j'évite l'éruption qui fait que je mets trop de temps. Bah, je me suis pris une éruption de. Tu l'as bien vu ce qui s'est passé. Arrête de poser des questions débiles. J'ai perdu. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Par contre, alors du coup, l'écran de Game Over est en haute résolution. Et là, je pense que j'ai dit oui. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Alors, je sais pas si vous avez remarqué, du coup, je vais vous en parler un petit peu vite fait pour la transparence, parce que c'est rigolo. Vous voyez, là, les flammes sont transparentes, et pourtant, elles sont dans la 3D, en sprite, et il y a des choses qui passent devant. Et si vous regardez bien, quand on passe Télis devant, vous voyez que le modèle de Télis est simplifié, il est pixelisé devant les flammes, parce que du coup, Télis, c'est VDP1, les flammes, c'est VDP2. La règle numéro 1 de VDP2, c'est que quand on fait de la transparence avec VDP2, tout ce qui est rendu, l'ordre de rendu, c'est que la transparence est derrière VDP1. Donc c'est chiant. Et devant, pardon, VDP1. Et du coup, pour pallier à ça, eh bien, ils ont fait un masque pour dire, dans VDP2, attention, il y a VDP1 devant, rend la transparence derrière. Et du coup, c'est ça qui fait que ça prend beaucoup de ressources. Comme vous le voyez, d'ailleurs, quand on passe devant, souvent, ça rame un peu plus. À cause de ça. Et c'est comme ça qu'on jongle entre VDP1 et VDP2. Et c'est super chiant, Michel Drucker. Drucker ! Exactement. C'était Michel Drucker, félicitations. Le grand quiz des stars de la télé. Je vais essayer d'aller vite, parce que là, on perd du temps. Et le temps, comme dirait Pascal au bistrot, c'est de l'amour. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux?
Félicitations, Télis. Ah ouais, c'est fou. C'est incroyable. Et c'est la machine la plus éclatée au sol au niveau architecture à cause de ça. Hein. C'est dommage. Hein. Ah, la musique. Normalement, la musique, elle va changer, là. Télémac et Télis, exactement. On va prendre de VDP1 et FDP1. La musique de la plante 42. Parce qu'en fait, le boss du premier niveau, c'est une plante géante. Il ressemble à, un peu à la plante 42, d'ailleurs. En vrai. Ah, Zob. Est-ce qu'on a fait des tuyaux? Ça manque un peu, non? Alors on a un nombre de crédits limité dans Burning Rangers. Vous avez pas vu l'écran des crédits? Une monstre plante un peu, ouais. Tu vas voir. Vous avez pas vu les crédits, puisque l'OSSC est une machine un peu nulle. Vraiment. L'OSSC c'est fini quoi. C'est chiant. Les changements de résolution dans l'OSSC c'est vraiment le pire truc. Quoi. C'est pour ça qu'un retro-routing ça me plairait. Hein. Mais, j'avoue que si je pouvais le payer déjà le prix normal, que je trouve déjà cher, ça serait bien. Central computer is located in the sector behind that. Vous avez vu comme ça ressemble à Sonic, le fait de perdre les cristaux quand on touche un... Quand on touche un... Ah non, vraiment ça a touché? C'est la première fois que ça touche. Careful. Your shield is out. Careful. Score the four. Il y a moins de bugs que tout à l'heure, non, au niveau du son, gars. Avec le son marche mieux. Mais là, c'est surtout qu'il a pas de frame buffer, c'est ça le problème. Oui, oui. Du coup, il a zéro latence, mais quelque part, je préférerais avoir de la latence et pas avoir à changer de résolution toutes les 6 secondes. Après, c'est vrai que c'est pointu, hein. C'est un truc. Enfin, faut savoir ce que t'achètes. C'est ça le truc. Et c'est vrai que j'ai tendance à oublier que j'avais fait une croix sur beaucoup de choses et que je me suis dit, bon, bah, je vais dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Parce que c'est sûrement intéressant. Mais voilà, c'est... Wow, tu fais des... en fait, faut faire des concessions. Et le CVVS machin, là, il est cool. Francis la latence. Francis la latence. Inky Winky Dips. Roger. Là, ça marche plus du tout, les esquives. Donc, pourquoi j'arrive plus à les faire? Ah merde, eux aussi ils explosent! Je le gueule. Careful, your shield is out. J'ai hâte de voir quoi que joue à ce genre de jeu, tu vois. Si quoi que t'es toujours là, sache que en tout cas, je pense que jouer à Burning Rangers c'est plus intéressant pour toi que de jouer à le jeu chelou. Sauf si vraiment tu veux passer un stream à pas comprendre ce que tu veux faire. Et t'inquiète pas que j'y serai à ce stream. Hein. Si tu le fais vraiment, je serai à ce stream et je te dirai qu'est-ce que je t'avais dit. Comme à chaque fois. Ah, c'est obligé de me toucher en fait. Ah non, d'accord, c'est une fuite. Ah, t'es abusé, c'est vachement ouvert en fait. Merci, heureusement que j'ai réussi, sinon ça aurait été galère. YouTube 2K en tout cas, c'est pas le cas encore, si? Tu as 2K? À moins que ça soit nouveau. Mais...
Sacha Distel. Stel. Non, 1997, toujours. Mais c'est pas loin. On n'est pas loin. On est là. On est là. Go down. Ouais, mais non. Si, peut-être. Et checkpoint. I found a survivor. Hey, can you get up? What are you doing? Do something about that monster. What? Do something about that monster. Tillis, set the doctor's coordinates immediately. Mais il a raison, hein. C'est juste qu'on ne croit pas pour l'instant. Il y a ce qu'on peut appeler un monstre. Oui. Je suis en train de me dire, s'il y a un truc pour corriger le 60 Hz pourri pâle sur la Saturne, peut-être que j'investirais. Que les pompiers du futur ont des jetpacks, mais des visages exposés au calme. Bah ouais, mais c'est pas les mêmes flammes. Pas très tenté par Burning Rangers. Bon bah ok. Trois faunées de gaz et c'est bon. Non mais c'est pas ça que je veux. Je veux des gens qui y vont vraiment. Avec le DFO. Avec le DFO. C'est quoi? C'est quoi le DFO? C'est pas limite plus rentable d'acheter une Sadjap et de mettre ton Fenrir dedans. J'ai déjà... Bah en fait, le problème, c'est que... Il faudrait que je la switch en 50 Hz. Ma Jap. Et j'ai pas envie de lui faire des trous. Donc, faudrait que je fasse sortir le switch à l'arrière, des trucs comme ça, quoi. Parce que sur le Fenrir, il y a clairement des jeux pâles auxquels je voudrais jouer, tu vois. Il y a plein de jeux bah, qui marchent pas en 60 Hz sans pâles, quoi. J'ai vu, il y avait des vrais gens pour lui dire des insultes en commentaire. Oui! Moi, je veux des vrais gens qui disent que je fais de la merde. C'est ça qui est mon but dans la vie. Alors là, on arrive sur une phase de plateforme digne de Valkyrie... Gun Valkyrie. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour un boss éclaté au sol? Yes, that's it. The center of that flower is the core. Aim at that. Ah oui, alors ça c'est drôle. Vous avez vu que la flamme elle était bleue là? Et quand la flamme est bleue, ça signifie que si elle me touche, elle me fait perdre toutes mes tous mes cristaux. Mais en plus elle détruit tous mes cristaux. Et là, bah, soudainement c'est chiant. Parce qu'on a un nombre fini de cristaux. Là par exemple il m'a fait perdre juste mes cristaux mais il me les a pas détruits. Donc je peux les récupérer comme dans Sonic. C'est comme si dans Sonic il y avait une attaque spéciale qui fait tomber les rings de Sonic, mais qui en plus les détruit. Ce qui n'existe pas. Ah, la musique, elle a sauté. Ce qui n'arrive pas dans le jeu normal. Il y a encore des petits problèmes. Hein. Le Fenrir, c'est pas encore ça. Ouais, à chaque fois que je touche le boss, j'ai le droit à un redémarrage de la musique ou à un truc chelou. Par contre, je me débrouille très mal. Mourir, c'était la mort. Dommage. Musique à fond, j'ai envie de tuer mon voisin. Ah ! Bah moi ça va, écoute. Moi ça va. J'ai juste dû éteindre la fenêtre au cas où. Mais... Attends, musique à fond, mais dans ton appart tout neuf là ? C'est chelou ça. Tillis, look, you won't be able to hit it at that angle. You've got to get closer. You can do it. Just trust yourself. Recherche ton père. Illumine, va, Jace, conquérant du lointain.
Tu peux y aller, hein, t'as ma bénédiction pour lui casser la gueule, en tout cas. Au nom de tous les voisins civiques, tu peux lui casser la gueule. J'encourage hautement la lapidation des voisins. Voilà, à peine. T'as pas vu? Ah, j'ai sauté! J'étais sûr que ça allait passer. J'ai trouvé un verbe avec un ado du voisinage tout à l'heure. Violent verbalement. Recherche ton père. Illumine des chemins obscurs de l'univers. On va y arriver. Ce père qui se prend trop pour une racaille. Je t'ai mis un lien pour le DFO au-dessus. Saturne? Tellus, look, you won't be able to hit it at that angle. You've got to get closer. Dual Frequency Oscillator, mais sur Saturn? Sur PlayStation, j'en veux pas, mais sur Saturn, ça peut être intéressant. Je sais pas trop où ça se soude. This is not a plug and play part. Merci. Where are the two Saturn versions? Only Sega Saturn console with a PLL chip IC20, a motherboard with part number 315-5746 can use the DFO. Pin 79. Oh, ah non, putain, il faut soulever une pin du VDP. C'est mort. Jamais je le ferai. Bon, tant pis. Merci en tout cas. Merci pour le lien, quoi que c'est cool. Willem DFO. C'est bon, c'est drôle. Les vieux jeux, c'est nul, ils sont moches. Ah, merci Arax. Et après, se plaindre des répliques parce que Nia Nia est trop hautain Clémentine. Il est trop hautain Clémentine. J'ai raté tellement de morceaux du chat, je suis désolé. Il passe en gueule, ouais, on les a trop niqués, je sais pas quoi, je vais lui balancer, non, toi tu baises personne, et vu ta gueule, c'est pas prêt d'arriver. Ah, c'est gentil ça. C'est comme sur les sites de rencontres où il y a marqué qui me baise, et à chaque fois je réponds, bah personne, apparemment. Ça me fait beaucoup rire. Mais après j'ai un humour bizarre. You can do it. Just trust yourself. J'ai toujours rire, les gens qui disent qui me baise, la personne. Bon. Voilà. Est-ce qu'on va rester bloqué sur ce boss? Non. Je crois pas. Par contre, je sais pas combien il me reste de crédit. C'est peut-être le dernier. C'est pas sûr. Il est très chiant, on entend que sa grande gueule. Tu parles de qui? De Fabrice? Ah d'ailleurs, en parlant de Fabrice, j'en ai pas une nouvelle de Fabrice. Ne dépensez jamais de pognon dans le rétro gaming. Vraiment, vraiment. Déjà parce qu'on en a beaucoup dépensé, nos parents en ont beaucoup dépensé, et surtout c'est que ce soit un écran CRT, que ce soit une vieille console d'origine ou quoi que ce soit, il y a une chose que vous connaissez, c'est la thune que vous allez dépenser. Il y a une chose que vous connaissez pas, c'est combien de temps la console va fonctionner avant qu'elle vous claque dans les doigts. Et merci Fabrice, évidemment, de parler de rétro gaming au quotidien. Et de t'y connaître. Les connaissances nous inondent perpétuellement. Battu. Par contre, un pied, un abo premium avec Calbox. Si elle claque dans les doigts, tu la répares. Tu demandes à Capri, etc., de voir pour l'appareil. Non, bah non, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais bien. Un bel âne batté. Moi aussi, je l'aime. Je pense qu'on va se marier.
Ça va sauter. En apéro Skype, c'est instant repair. La thune. Quoique. En plus, c'est vraiment la réplique faite pour ton stream. C'est vraiment la réplique de ton stream. Ça saute pas. Ça saute pas. On dirait. C'est chelou. Est-ce que du coup, est-ce que ça voudrait dire genre que le rip a été fait sur une version rayée du jeu ? Ça serait marrant. Jette d'urgence cette version US aux ordures, c'est la version PAL qui a la vraie traduction. La version PAL a la vraie traduction, Ayers Gun ? C'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que Shining Wisdom est mieux traduit en PAL ? C'est incroyable la netteté de l'image. Franchement. Bah c'est super intéressant. Merci beaucoup pour l'info, je sais pas. Je sais qu'il y a Working Design au début, mais il me semblait que du coup en PAL ils allaient reprendre la traduction de Working Design. Even when you're lost in darkness, you must believe in tomorrow it will come. Press the Z button for navigation. Working Design. I'll guide you. C'est ce matin, c'est Working Design. C'est en parlant du jeu. Get going through that door. Isn't just a door, man, it is. Chez nous, c'est Sega qui a fait le truc. Et avant même, je pense. Setting an adventure for our future. We are all ready for. Ah oui, on peut faire Y. Ne passez jamais de pognon dans le JV rétro. Demain, t'as Fabrice qui fait une conf sur la préservation du jeu vidéo. Hâte de voir ça. Hâte de la voir. Pourquoi préserver le patrimoine JV ? Comment le préserver ? C'est Realbox dans tout ça ? Question. Question-réponse. Surtout. Même si ça me fait très rire que Fabrice puisse mettre question et réponse dans la même phrase. Parce que, j'ai envie de dire à Fabrice... Ta gueule ! Juste ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Voilà. Bon, bah, c'était le meilleur ta gueule de YouTube. Du coup, j'ai pris celui-là. Par contre, il met beaucoup de temps à se déclencher. On a un lien Twitch pour la conférence ? Non, mais c'est pas vrai. Me dis pas que c'est vrai, Nilia. Me dis pas que c'est vrai. Villebrequin. Villebepoisson. Ah si, c'est vrai. Oh là 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 là. Une conférence sur la préservation du jeu vidéo. Mais ça lui fait pas un peu de mal de se dire qu'il va faire ça? Eh mais en fait, ce clip, il est encore plus magique, quoi. En fait, le clip devient encore plus magique qu'avant, quoi. Franchement, on le dérange pas trop, ce mec, quoi. I'm entering the water channel. Okay. Ouais. Mrs. Reed, Chris, are you sure there are only 30 people left in this facility? Yes, the report sent us says the park was closed today. Only maintenance crews are inside. Vous avez vu l'eau, comme elle est belle. Et l'eau, elle a le même système, c'est-à-dire qu'elle est rendue par VDP2. Recalbox, on va se faire Axe Frame 1. Ça y va, les effets visuels. Incroyable. Enfin, frame 4. Parce qu'il y aura 3 frames de skip. Ah, d'accord. On va se faire Axe Frame 1. Ça veut dire quoi, se faire Axe? Se faire ban? Peut-être sur la chaîne Céréales à 15h s'ils arrivent à streamer. Oh, ça va, c'est bon, je peux lire les messages de mes chats. Je peux lire mon chat. C'est bon. Oh là là, insupportable, les mecs, quoi. Attendez, les mecs... D'ailleurs, je l'ai plus, hein. Fabrice le BG, je l'ai plus. Donc si vous voulez le mettre, il n'y a que vous qui pouvez le mettre. Moi, je peux pas le mettre. Je sais plus où elles sont et j'ai la flemme de refaire la capture. Ah,
Interrupteur. Présent PLS. Se faire couper. Ah, se faire couper. Dépenser jamais d'argent. Et ensuite, comment le préserver? C'est justement parce que des gens ont dépensé beaucoup. C'est un peu préservé. Bah, surtout que bientôt, on pourra plus dépenser de l'argent dans le rétro. Donc, dire aux gens de pas dépenser de l'argent dans le rétro, c'est vraiment débile, quoi. Ah bah super! Elle me dit de tourner à gauche et c'est fermé. Mais quelle vilaine personne! Ah, il y a quelqu'un à sauver. Hey, are you all right? Je suis sûr que c'est genre préservé via Recalbox. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. You can count on me. C'est terrible de se dire qu'il y a des gens qui vont dire. Pour sauver le jeu vidéo, il faut utiliser de l'émulation logicielle, tu vois. Préserver. Paye ton apéro Skype et écoute Fabounet te raconter ses anecdotes sur sa Master System. Pas sur sa Master System. Sur... il connecte. Il y a une console qui connecte. La Philips... la première Philips, là. À cartouche. Comment elle s'appelle, cette console? Putain, je m'en souviens jamais. Il s'était fait livrer un Pac-Man dessus. Et il connaissait. Il savait de quoi il parlait quand il en parlait. Enfin, ça... Ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre de l'entendre parler d'un truc. Recalbox préserve ses ROM. Ah, ta mère. Ouais. Bizarrement, quand on parle de préservation avec des gens sérieux, c'est MO5 qu'on invite. Pas le BG du 9-1. Fab de Riz. Fab de Riette. Le céréalier du cucu. Manuel Valls va dire ce message. Ah oui, c'est tellement ça. C'est un peu le Manuel Valls du jeu vidéo, finalement. Ah, je vais où je veux, hein? Et c'est souvent sur la gueule. Ah non, mais attends. Attendez, les mecs. Attendez, les mecs. Ok, hurry up. Ok, du 9-1 aussi. Silence. Manuel Valls du 9-1. Oh putain, je savais pas. Quelle terrible étude. C'est du sang? Dehors les Romano! Exactement. C'est exactement ça. Dehors les Romano! Mais je pense que ça dépend des missions. Il parle de préservation, mais c'est où? Oh là là, j'ai pas envie de cliquer sur ce lien. Il est où? Il est où ce lien? Oh, ça va, comment c'est pas? Conférence dimanche 14h, préservation du patrimoine, start to play. Eh ben écoute, start to play, décidément, ils n'ont plus du tout d'existence pour moi. Vous n'existez plus. Oh, mais ça va, les violons, là, oh! Commencez pas! Vous vous rendez compte du calvaire que vous faites vivre à Tilis, qui fait de son mieux, là? Oh! Stay alert until the fire is completely out. Ah, ça marche pas. Ah, j'ai un clip Oh la sauvegarde de Haru sur mon PC. Ça va finir en récompense de chef. Oh la sa- ah oui, la sauvegarde là, mais je crois que je le dis de manière extrêmement gênante. Hein. Je me rappelle de ce moment et je crois que je le dis de manière extrêmement gênante. Un peu comme le Jonathan. Mais ta mère. Je crois que vraiment Oh la sauvegarde, c'est en mode jouissance presque. Genre dépense pas ta thune dans le rétro, mais si je peux gratter quelques likes. Et si je peux gratter un peu de rétro de mes abonnés et que je le dépense et que je le déballe en stream aussi. Bizarrement, il était content de recevoir du rétro, hein, pour quelqu'un qui aime pas qu'on en dépense dedans.
Sur EGG. Ah, c'était sur EGG. Ça m'étonne pas. J'ai cliqué, je suis tombé sur un tweet Recalbox qui est trop fan d'un Metal Slug sur cathode. Sur un tweet Recalbox qui est trop fan d'un Metal Slug sur cathode. J'avoue que le haut, la sauvegarde, tu peux le... Mais pas en récompense, hein, tu peux te le mettre pour ta soundboard en vrai. Quand tu trouves une sauvegarde. C'est quand que tu testes Majora déjà? Que je vienne pas? Au fait? Come on, it's not like you, Tillis. People are still there waiting for our help. Oh là là, les violons! Arrêtez! Arrêtez! Je sais pas où il faut aller, j'ai le droit! Ah, c'est peut-être là. Ouais. Bah, TKT, je les entends là, les sons. Ah, c'est la salle du dauphin! Le dauphin doublé par une personne, évidemment! Il y a du beau monde à cet événement, il y a Conquerax. Ah, il est cool, Conquerax. Il annonce plus de date. Il annonce plus de date parce que tu ne les respectes pas, parce que tu respectes pas ta commu. Honteux. Rembourser les abonnements. Je suis bien connu pour m'abonner aux chaînes, bien sûr. Ah, il y a du sang dans son truc à lui. Il y a quand même un peu de clipping dans Burning Rangers. Bon, faut bien l'avouer. Cela dit, regardez, c'est transparent. This is Tillis. In front of you and towards the left. In front of you and towards the left. Careful, your shield is out. Arrête de dire fais attention quand on vient de se faire toucher, putain c'est insupportable. Arrête de dire watch out quand on vient de se faire toucher. Ça sert à rien. The control room is right above you. Ouais. Ah, tu penses que c'est du troll pour Conquerax? Ben non. Moi j'aime bien être un amiibo. Je me sens un amiibo, en tout cas. Je suis sûr que tout le monde est derrière. Tout le monde est en train d'écouter le stream en disant oh, il va déraper. Il va dire du mal de Conquerax. Ah, vous êtes 24, c'est bon. Je peux arrêter le stream. Je peux arrêter le stream sans avoir à arrêter Recalbox. C'est vraiment le pire objectif que je me suis fixé quand même. Alors j'ai actionné ce truc là. Est-ce qu'il fallait pas que je rentre là-dedans après? Il fallait pas que je rentre là-dedans? Il me semblait que j'étais rentré là-dedans une fois. Au chalet. C'est fou comme la Saturne, c'est une console. Putain d'ailleurs elle doit être bouillante. Ça fait longtemps qu'elle tourne. J'ai l'impression que le Fenrir, je suis pas sûr, mais peut-être que le Fenrir l'a fait consommer plus. C'est vrai que le mec du Fenrir fasse un GDMU qui marche bien. Je dis pas qu'il marche pas bien, hein, mais... Il marche pas bien. You must hurry. Oh, ta gueule. Boy, am I glad you're okay. Vous avez vu comme il est beau? Le petit dauphin. Ah non, c'est juste qu'on trouve qu'il apporte rien. De toute façon, c'est pas sauvegardé. C'est vrai. Je suis pas censé... Je vais où je veux. Et c'est souvent sur la gueule. On sait pas. Ah bah merde. Super, tu me dis d'aller là, c'est fermé. Pute. Ah bah super, c'est pas par là. Génial. Pas là non plus. Voilà, super. Mais dis surtout pas où aller, hein. In front of you and towards the right. Ah, c'est là. This is big. I found 15 people and no one seems to be injured. Great. We can set the transport coordinates from here. Chris, you can concentrate on navigation now. Thanks. À demain, Bisouquet. Bonne nuit. Ta gueule, Echo, retourne sur Mega Drive. Toi, la fée, va voir chez Zelda si j'y suis. La fameuse. À demain, Pisouquet, bisous, dors bien. Fais de doux et beaux rêves. Comme dirait Mad. Fais de doux et beaux rêves. Avec sa petite voix cristalline. Careful. Your shield is out. C'est le meilleur bonne nuit de Twitch FR. Ah non!
ça va être la fin du stream parce que je suis une pine d'huître. Oui, oui, pine d'huître, oui. Je l'ai dit. Alors du coup, faut que je fasse... Je peux essayer, allez, vous savez quoi ? Je vous offre un dernier jeu. Qui est ? Par contre, directement sur le... Sur le Fenrir, parce que bon... Il coule de source, Madeville ? Oui. Il coule de source. Comme la cristalline. Cristalline, ça coule de source ? Ah, c'est ça le slogan de la cristalline, c'est vrai. Alors, j'ai tout ça à vous proposer, moi. J'ai Dracula, Baku, Burning Rangers, Dark Savior, G-Vector. G-Vector, je l'ai installé, mais c'est de la merde. On va y jouer, ça va être drôle. Je ne cherchais pas sur Google si une pine d'huître existe. Il va passer une bonne fin de soirée, quoi. Il va pouvoir regarder plein de choses sur les huîtres. Ah non, c'est bien le son de la console. C'est juste que le gars qui a fait la musique, il a mis plusieurs pistes. Alors... Le jeu qui par défaut d'ailleurs vous propose du son en mono. C'est très, très rigolo ça d'ailleurs. Musique on, bien sûr. Ah non, musique c'est... d'accord. Reverse off, object view là. Ils ont laissé des fonctions de debug. Ok les gars. B button, pan, exit standard. Ici le stream des huîtres et des capis, exactement. Pine d'huître, Antoine de Caunes, tout ça. C'est pas du debug, c'est pour admirer. Mais t'as vu, c'est les ennemis dans quelle gueule ils ont, quoi. Regardez, regardez. C'est Star Fox en mieux. Est-ce qu'on peut pas dire ça de tous les shooters? J'arrête. Tu connais ce jeu, Ayerscreen? Quelqu'un connaît ce jeu? Parce qu'il me paraît pas fameux. Il m'a eu. Il m'a revu. Jamais joué ni regardé. Bah écoute, je vais chez Haruno Taku. Et grâce à Haruno Taku, tu découvres des nouveaux jeux. Vas-y, que c'est un banger. From Starwing to Ace Combat 2 Real Quick. C'est très étrange parce qu'en fait, le vaisseau revient au centre quand on ne touche à rien. C'est comme si on avait un manche à balai avec un ressort dessus. Déjà, c'est chelou. Et enfin, c'est comme sur PC, quoi. Et en gros, pour esquiver, il faudrait relâcher. Mais bon, bizarre. Ça n'a pas l'air nul, mais c'est pas maniable. C'est pas très très maniable. C'est très arcade, en fait. C'est extrêmement arcade. Counter Stage Guardian. No refuge. Ça rame, putain. Mon dieu. Ah, il m'a tué, le bâtard. C'est plus ou moins bien que Sky Target. Bonsoir, salut Beyond This Life. Oh, on recommence à zéro. C'est génial. J'adore ce jeu. Sky Target, j'ai jamais joué. Je l'ai vu. Il m'avait pas l'air très cool. Mais je sais pas.
Il y a plus de chain possible que dans Panzer Dragoon. En tout cas. Ah, il m'a eu. Oh non, je me fais toucher comme une merde. Je suis en train d'essayer les autres touches, vous avez remarqué. Il peut être que Saturn pas le Sky Target de loin, mais le portage est moyen. Enfin, sur arcade est bien plus réussi. Sky Target, la jaquette européenne, je me souviens pas du tout. Après, l'Europe. Pour la Saturne, elle avait la chance d'avoir des grosses jaquettes. Et c'est juste dommage que bah, ça n'a pas été exploité très bien. Toujours cette impression de gâchis des jaquettes européennes, parce qu'ils reprenaient les jaquettes japonaises ou US. Et souvent, elles étaient ratées. Putain, je suis vraiment nul. Je vais donner bonne année. Moi aussi, je vais donner de toute façon. Je vais vous rail, je sais où. Et je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir, car on a eu un pic à 30. Et un pic à 30. C'est comme un 30, mais c'est Pikachu. Radus qui fait du Shadow of the Damned. Je ne sais pas ce que c'est. On a le beau Rémi qui fait du Cinetime. Non. Les choses de l'étagère, il fait un crâne de l'étagère en pommier. Ça, c'est rigolo. On libère des filles enfermées dans des cristaux. Ah, ça, c'est Zelda... Le fameux Zelda que très peu de gens stream. La PS1, cette console si peu connue. Ma débile. Je sais pas. Shadow of the Damned, c'est Souda 51. Vous voulez que je vous envoie où? Salut Boutendo, bonne nuit à toi. Sinon Karim sur la série AB. Allez, vous savez quoi? Je vous envoie chez Karim Debache, même pas cap. Même pas cap, certains diront. Mais je sais pas si on a le droit de le raid, Karim Debache. Je pense que personne peut le raid, non? Bonne nuit à toi, Yorsgreen. Des bisous. Je vais tenter le raid de Karim Debache. Cette chaîne est réservée aux followers et aux abonnés. Le chat de cette chaîne est réservé aux followers ou aux abonnés. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie de Karim Debache sur les séries AB. Des bisous à tous. Et on tente, hein. Bah, faut 4000 followers, c'est bien, non? Allez, des bisous. Et n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux si vous voulez savoir quand est-ce que je restream. En tout cas, ce jeu était rigolo, faudrait voir si c'est mieux. Salut Ryu Brady, bonne nuit. Salut à tous, une très bonne nuit. Go! Alchimedes 412, et donc c'est aussi le témoin de cette espèce de conflit avec AB qui essayait d'être, pas d'être TF1, mais de...